Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du basculement de société parce que je sens qu'on est à un moment de notre histoire en France, mais pas seulement en France, mais chez nous, c'est très perceptible parce qu'on était loin du fonctionnement économique ou social qu'on peut retrouver dans d'autres pays et qu'on sent qu'il y a une volonté politique très forte de nous pousser vers ce changement de société et vers ce basculement-là. Okay, so we are in a situation in France, but not only in France, in which we are about to see a civilization change, and there is a political will to bring about this civilization change. On l'observe d'abord dans le discours ambiant, dans des phrases, dans des concepts, dans des idées, où avant on pouvait en discuter, qui donnait lieu à des débats, par exemple, est-ce que c'est la crise ? Est-ce que la dette publique française est une bonne dette ou pas ? Est-ce qu'on peut éventuellement discuter pour ne pas la payer en entier ? Est-ce qu'on doit la payer ou pas ? C'était des questions qui avaient lieu dans le débat. Alors que maintenant, c'est posé comme un fait. Oui, il y a la dette publique. Oui, il faut la poser. Oui, c'est la crise. La crise pour qui ? On ne sait pas. Okay, so previously we could, so currently we are hearing phrases and they're bringing about concepts and they're bringing ideas in the public debates that previously were raising debates, for example, the idea of crisis and the idea of the French debt. So the kind of questions that were raised were whether the debt is a good debt or whether the debt has to be paid. And now the difference is that instead of debates, they are considered as facts and proposed as facts. So facts, as you know, there is an English expression, it's a matter of fact, so they cannot be debated. Yeah. On a également pour les 3% et l'injonction de se conformer à Bruxelles, à ce que l'Europe attend de nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant, l'État faisait la politique de son pays, qui avait à côté la politique européenne, à laquelle on prenait parti, mais on avait une indépendance et une souveraineté en tant qu'État. Maintenant, quand on doit faire des lois, quand on fait la prévision du budget, par exemple, de la France ou d'autres pays, on doit se conformer à certaines feuilles de route, à savoir être dans les clous des 3%, ne pas dépasser un déficit de 3%, se conformer aussi à la libre concurrence non faussée, pareil, qui est devenue un état de fait, et ça veut dire qu'on perd la liberté d'avoir la possibilité de transformer vraiment la société. Je vais vous donner des exemples un peu plus précis. Ok. So, there is also the relationship with the European treaties and especially with the rule of 3%, so deficit over GDP. And before the current treaties, you had the policy of your country, you had the European policies, but you had some independence related to the sovereignty of countries, and this is currently changing because states are compelled to follow the Föderhuts, how would you say that, the agenda, program, ouais. The program set by Brussels, and one of the key words, of course, of that program is competition, and competition, non-false competition, ouais. How would you say, non-faussé, unbiased, yeah. Yeah, unbiased competition, the one that you have in the treaties, and so we have a society change that is set along these lines. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que maintenant, on a accepté en Europe que la politique des États, y compris de l'État français, puisque nous, ça nous concerne, on est en France, devrait être soumise à l'acceptation des valeurs économiques et idéologiques qui ont cours actuellement en Europe. Ça veut dire que si vous arrivez, que vous dites, voilà, je me fais élire comme président de la République ou comme parlementaire avec pour projet, par exemple, de nationaliser certaines grandes entreprises, parce qu'on considère que l'énergie, par exemple, est un secteur qui doit rester français,
si je veux prendre certaines mesures, même y compris pour l'éducation, ça va être jugé non conforme à la libre concurrence. Et les gens l'ont admis. Avant, il y avait un débat sur ça. Avant, les gens disaient, si l'Europe nous empêche de faire ça, il faut changer l'Europe et il faut réfléchir à quelle est la nature de l'Union européenne. Ça a été au départ une union monétaire, alors qu'il aurait fallu en faire peut-être une union des peuples et une union sociale. Okay. So the issue with that is that the policies that are implemented at a national level now require to be in conformity to the political values that are currently in use in Europe. And that means, for example, if a government is elected with a project to nationalize the energy or with a project about education, this is not fully possible. It's not possible because you need to have free competition and because you have to conform to these values that are imposed in Europe. So we previously these things used to be debated and now they are taken as granted. And before you could think about it, and now you don't discuss that, we have made the monetary union. Maybe we should have made the union of the people and the social union. Une autre idée reçue aussi, mais qui est en train là de s'effriter, c'était la théorie du ruissellement. Parce que ce que je vous dis là, si on admet qu'il y a la crise, si on admet qu'on doit payer la dette, et si on admet que c'est l'Union européenne qui va décider des grandes lignes de nos politiques, ça veut dire qu'il y a une uniformisation qui se crée, qu'on l'accepte et qu'on joue ces règles-là. Et on nous disait, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de pauvres, c'est un système peut-être qui ne marche pas très bien, qui laisse des gens sur le bord de la route, mais ça va ruisseler. Alors les gens regardaient en l'air, ils attendaient que ça tombe, et on disait, les riches sont tellement riches, il y a tellement d'argent, qui ne peuvent pas tout dépenser et qui vont en jeter comme ça un petit peu, et qu'en bas, vous allez pouvoir un peu attraper de l'argent. Voilà, c'était ça, la théorie du ruissellement. Ça veut dire qu'il faut accepter que les riches soient très riches, c'est même une bonne chose, parce que petit à petit, ils vont vous jeter un peu d'argent comme ça, c'était la théorie du ruissellement. Okay. So another key idea that is currently very important, I think, for the policies of that government is the trickle-down effect. And you know the trickle-down effect. It is the idea that the rich will be very rich and that maybe there are some poor, but it's a good thing that these people are so rich because they will be so rich that they cannot spend everything, so they will send some money through and it will go through society. You all know this theory and you all know that it is false for sure, right? Thank you. Et partant de... Peut-être que vous m'entendez quand je vois ça n'a rien à voir. Non, c'est okay. Pareil. Ouais. Et comme tout ça maintenant est un état de fait, ça permet quoi? Ça permet aux politiques qui arrivent au pouvoir de dire voilà, c'est pas la peine de discuter pour savoir si on veut ou pas un autre système. C'est pas la peine d'essayer de remettre en question le système capitaliste actuel, puisque de toute façon, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et une partie des gens intègre ça et accepte ça, ce qui biaise le débat politique. Et ce qui nous fait basculer dans une société où on prendrait ça comme un état de fait, et où on partirait de là, et on oublie complètement, par exemple, une idée, la redistribution des richesses, le partage du temps de travail, le fait de pouvoir se soigner gratuitement. Okay, so this has become a kind of state of fact, and so it's like you cannot discuss anymore other systems, and you cannot put in question the current system and the capitalist system, so you cannot put forward anymore ideas like redistribution, sharing of working time, and the last thing was, la dernière, c'était, oh yeah, people should be able to be to access to free healing, to free medical expenses. Oui. Et cet état de fait, ça a été préparé depuis 20 ou 30 ans, notamment par les médias. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à un basculement d'abord qu'on sent comme économique et social.
Alors, un basculement de société, ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon ou mauvais. C'est à vous, c'est à nous de savoir s'il est bon ou mauvais. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on connaissait un système, notamment en France, où on était vécu comme une exception, qui est en train de se terminer. Si on ne fait rien, ça va se terminer. Alors, des fois, il y a des fins qui sont heureuses ou pas. Moi, je pense que ce n'est pas une fin heureuse. Donc, je voudrais mettre un petit peu un focus sur ça. Okay, so we have a society change. We are on the edge of a society change. So per se, a society change can be good or bad. This is not the question. The question is whether that society change is good or bad. And Muriel doesn't think that the society change is a good thing. We knew a system. This system is about to come to an end, to be put to an end. And this is what she would like to discuss. Par exemple, si on prend le système économique, avant on avait une économie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire une économie réelle? Ça veut dire que quand vous aviez une entreprise, vous, évidemment le but était de faire des bénéfices, mais il y avait un investissement qui était fait pour avoir de nouvelles machines, pour avoir de nouveaux employés, pour grandir. Avec évidemment les patrons gagnaient toujours plus que les ouvriers ou que les employés, mais il y avait une certaine limite, il y avait une certaine décence. Et là, petit à petit, on a basculé dans une économie qu'on appelle une économie financière. Ça veut dire une économie qui sort du réel, de la valeur travail, de la force de travail, et qui pense à dividendes, actions en bourse. Donc comment je vais faire de l'argent rapidement? Ça a été possible parce que dans beaucoup de pays où les multinationales ont leur siège, il y a ce qu'on appelle les fonds de pension. Il n'y a pas de système de retraite comme en France. Et donc, c'est une manière pour les gens de financer leur retraite. Okay. So, we are changing, you already, for most of you know that, we are changing the nature of the economy. So, before, we used to be in an economic system that was more based on the real sector. So the idea was when you had a firm was of course to make profits, but you also needed, in order to make profits, you needed to invest, to buy new machines, to employ people, to grow. And there was some kind of idea of decency. Now with the new economy, with the new economic system, which is a financial system, this economy escapes labor value, it escapes this idea, so it is mainly based on dividends, share, how to make money quickly, and especially one of the key issues are these pension funds that have been created because in many countries you don't have pension systems like the French system, which are based on the state and on redistribution. C'est une façon de fonctionner au niveau économique qui clairement prône l'argent comme valeur absolue, pas seulement comme moyen pour avoir des choses, mais comme but en soi, comme finalité, avec derrière aussi, avec un lien à celui qui a l'argent a le pouvoir. On voit d'ailleurs que les grosses filiales financent assez largement les partis politiques. Si bien que des fois on peut se demander qui dirige. Okay, so in this system, money has become an absolute value, not only as a mean, but also it has become an end per se. And money means power, and so at the end of the day, one can raise a question of who is dirigé, who is not managing, who is. Who's in power? Who's in charge? Who decides? And especially with big firms, right? Multinational firms. Yeah. Et du coup, les gens ont accepté petit à petit d'avoir des entreprises où on ne se connaît pas, où quand on veut prendre des décisions, par exemple, si je prends une grosse boîte comme Sanofi, qu'il y a dans ma ville à Montpellier, le siège social de Sanofi, évidemment, n'est pas à Montpellier. C'est une entreprise internationale qui fabrique essentiellement les médicaments pour les gens. Et il y a eu plusieurs plans sociaux où les gens ont été licenciés alors que l'entreprise faisait des bénéfices. Et le patron disait oui, il ne niait pas. Il disait oui, on fait des bénéfices, mais on a besoin d'affaires encore plus
parce que sinon, nos actionnaires vont nous lâcher, vont vendre les parts et on va chuter. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont conscience que c'est une économie qui est basée uniquement sur l'argent virtuel, sur la bourse. C'est très dangereux parce que ça peut créer des bulles. Et on a vu, ceux qui sont aux États-Unis s'en souviennent très bien, hein, parce qu'ils se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain. Voilà, c'est ce danger-là, c'est cette dichotomie en disant on ne produit plus de choses réelles, mais on fait de l'argent avec du virtuel et on sacrifie les êtres humains, on sacrifie les travailleurs. Okay. So people have accepted to be in this economy where firms are places where people don't know each other. And the example that Muriel was taking was the one of Sanofi. Sanofi is a drug and big pharmaceuticals company. Maybe people from option A have heard on that, right? When you work on trips, yeah, and so on. So Sanofi, Sanofi in Montpellier has decided to fire many people while the company was making profits. But the argument was that the company was not making enough profits, so that they needed to fire in order to satisfy the shareholders and in order to make more money. And this is very dangerous because it can be the source of bubbles, and people who live in the US know about how bubbles can be dangerous to the economy. Alors ça a participé en France, cet état d'esprit, cette idée que l'économie financière prenait le pas sur l'économie réelle, à rendre possible une mesure d'Emmanuel Macron, donc le nouveau président français, qui dès qu'il est arrivé au pouvoir a voulu aller très très vite, et par ordonnance. Alors une ordonnance, vous votez une habilitation, les pleins pouvoirs au président pour prendre un certain nombre de mesures qui concernent un domaine précis. Là, c'est le code du travail, c'est le droit des travailleurs. Et dans ce cadre-là, il peut faire ce qu'il veut sans demander au Parlement, c'est-à-dire ni au Sénat, ni aux députés qui ont été élus. OK. So, this very idea that the financial economy has become more important than the real economy has made possible one of the key measures of our current president Emmanuel Macron. When he came to power, he decided to reform the labor code by ordonnance. So these are ordinances, I think, in English, the English word for that. And in the French constitution, when you are allowed by the parliament to govern by ordinances, it means that you do whatever you want, without going through the parliament, without going through the Senate, which is the second chamber in France. So you can do whatever you want. And he did that for the labor code in order to destroy the labor code. Yeah. Alors, c'est très violent parce que les gens n'ont pas vraiment compris ce qui se passait. On leur a dit, vous inquiétez pas, ça concerne pas les grosses boîtes. Mais en France, 95% des entreprises, ce sont des PME ou des TPE, c'est-à-dire des moyennes entreprises ou des très petites entreprises. Ça veut dire que la casse et l'explosion du code du travail et des droits des travailleurs concernent, à partir de maintenant, en France, 95% des travailleurs. Okay. Ah. So this is very violent and people have not understood yet what is going on there. Okay. People have not understood yet what is going on. And they said, don't worry, because big firms will not be impacted by that, because there are unions and this, yeah, kind of stuff. But 95% of the jobs in France are in small and medium enterprises and intermediate enterprises. Could you please cut the... Thank you. In small and medium enterprises, so therefore, the fact that the labor code has been destroyed will impact 95% of the employees. Ça aussi, c'est un basculement de société, parce qu'en France, on avait un code du travail qui protégeait pas mal les travailleurs. Ça faisait longtemps qu'on nous disait, c'est vieux jeu, il faut arrêter. Ce n'est pas moderne, ça aussi, c'est un vocabulaire, il y a un vocabulaire nouveau qui est sorti. Il faut être moderne. Et les droits des travailleurs, ça empêche la liberté des patrons et même des travailleurs. Et on disait aux gens depuis longtemps, et là ça a été mis en pratique, il faut être flexible. Qu'est-ce que ça veut dire flexible? Ça veut dire que si votre entreprise veut que vous travailliez dans la journée
de 8h à 10h, vous le faites. De 10h à 13h, on n'a plus besoin de vous. Vous rentrez chez vous. Par contre, de 22h à minuit, il y a un pic d'activité, on vous veut. Vous revenez. Donc vous n'avez plus le temps d'organiser votre vie à côté. Vous avez des heures coupées qui font que souvent, ben, vous avez un mauvais salaire. Et vous n'avez pas les heures sup, parce qu'on vous dit c'est un volume d'heures global que vous devez faire dans le mois ou mieux dans l'année. Ça a été annualisé. Et vous devez vous y plier. Ok, this is a major society change, especially in France, where we used to have a labor code that protects workers pretty much. But for many years, neoliberals have said that this is very old school. It is not modern. We hear modern all the time about these things, and the vocabulary was also that. It is restriction to freedom. It is a big restriction to freedom. So that was the vocabulary used. And the idea is that workers should be flexible, which means that, for example, you come and work from 8 to 10, then we don't need you anymore and you go back home. And then if there is a peak later on during the night at between 10 p.m. and midnight, then you come back and you work. And at the end of the day, you end up with a low salary and no extra hours paid, because the number of hours are computed not anymore on the basis of the months, but they are computed on an annual basis. Et ça va changer la vie des gens, parce qu'avant, on avait quand même une certaine stabilité. On avait aussi quelque chose, alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaîtront un jour, qui s'appelait le CDI. Ça s'appelait un contrat à durée indéterminée. Voilà. Alors déjà, ma génération, en moyenne, on l'a connue vers 30-33 ans. Hein. J'ai eu cette chance au bout de plusieurs années. Et qu'est-ce que ça voulait dire, le CDI? Ça voulait dire que quand vous aviez un emploi à durée indéterminée, on ne pouvait pas vous licencier du jour au lendemain. Et donc, vous pouvez planifier votre vie. Vous pouvez choisir un appartement, vous pouvez choisir d'avoir des enfants, d'avoir une vie, en disant ce côté-là de ma vie, cette stabilité, mon travail, je l'ai, je le garde, tant que je ne décide pas d'en changer moi. Donc c'est une liberté, c'est un apaisement et c'est une façon de se projeter dans la vie que certains d'entre nous ont eu la chance de connaître. Mais ça aussi, ça fait longtemps qu'on voulait le casser, parce que ça freiner la liberté d'entreprendre des patrons. Okay, so Muriel was talking about the CDI, which is contrat à durée indéterminée, which is a contract. It's a permanent job. It doesn't mean that you cannot be fired, but it used to be the kind of job you would aspire to get, because you cannot be fired. Just like this, they cannot say to you, okay, you go back home and you don't come back. So there are regulations on the firing on CDI. And she was also saying that her generation would get CDIs later than the previous generation, when you get 30 or 33. And the main advantage of this long-run labor contract was to be able to plan your life. It was giving freedom to the workers, because it would allow you to plan the future. It would allow you to choose whether you want to have children, to plan your future. And this is currently being broken down by the government, and breaking down has been around for some time, because once again, it is against the freedom of the entrepreneurs. Yeah. Alors, avant, on considérait en fait en France que le travail était quelque chose qui devait libérer. Donc on a cherché tout le temps, alors on a cherché, ça ne se donne pas, ce genre de choses, ça s'arrache. Hein. Tous les acquis sociaux, les patrons ne les ont pas donnés aux ouvriers. Il y a eu des luttes sociales, mais même les patrons considéraient que le travail devait libérer. Il y avait cette valeur-là du cercle des Lumières, de l'époque des Lumières. Et voilà. Il y avait des choses comme ça qui perduraient chez nous.
Et là, en fait, on est en train de nous dire le travail n'est plus une valeur forte qui doit libérer l'être humain. Le travail est une nécessité, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Il va falloir le partager. Il y a une masse de chômeurs. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont lu Karl Marx. Ça s'appelle l'armée de réserve chez Karl Marx. L'armée de réserve, ça veut dire que déjà, il avait senti que le capitalisme allait un peu dévier. On avait besoin d'une masse de gens, assez nombreuses, cultivées, qui a fait des études et qui ne travaillent pas. Pourquoi on en avait besoin? Parce que ça permettait de dire à ceux qui travaillent, faites attention, vous travaillez, mais si vous n'êtes pas content, si ça ne vous va pas, vous prenez la porte, regardez derrière. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont dynamiques et ils sont intelligents et ils vont prendre votre place et ils accepteront de travailler pour moins cher et dans des conditions que nous choisirons. Ok. I think they know about Marx and the industrial reserve army. Most of them are heterodox. So before the current situation, there was a very idea in the French system that that labor should free people. It doesn't mean that it was obvious. Okay, the results, the situation was a result of fights. Of workers, it was a result of struggles, but in some kind of way, even the bosses would agree with that idea that labor should mean freedom, should free workers. Now there is a change. There is the idea that work shouldn't free people anymore. To work is a necessity. But there won't be employment for everybody. So here comes the idea of the industrial reserve army of Marx. So you know the idea that we need this industrial reserve army to put pressure on workers who have an employment because there are younger people, more efficient and cheaper who are there. And this is the very idea and that you can find in Marx and you notice this work, right? Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un être humain, quelqu'un qui travaille, sait qu'il ne gardera pas le même travail toute sa vie et que ça ne dépendra pas de lui, de son choix, sait et intègre qu'il va devoir se soumettre à la volonté du patron. En France, il y a de moins en moins de syndiqués. On nous a vendu les ordonnances en disant « ça va être super et comme les syndicats sont forts, ce qui n'est pas le cas, vous verrez, ça va très bien se gérer, ça va être comme en Allemagne ». Où en Allemagne, il y a les conventions collectives, en fait, par branche, en fait. Ça veut dire qu'il y a des accords de branche par les syndicats et qui s'appliquent. En France, il n'y avait pas ça. En France, il y avait ce qu'on appelait la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie des normes? Ça veut dire que vous avez la Constitution, qui est le haut de la pyramide. Rien ne peut être fait si ce n'est pas conforme à la Constitution. Vous avez la loi, qui s'applique à tous et qui protège tout le monde. Donc, c'était le Code du travail. Et après, vous aviez les conventions collectives qui étaient négociées branche par branche. Maintenant, on n'aura plus ça. Maintenant, vous avez des négociations. Moi, je suis restée déléguée syndicale, donc j'ai gardé cette casquette-là et je fais encore les négociations dans mon ex-entreprise, parce que je n'y travaille plus. Et maintenant, vous vous asseyez et on vous dit, voilà, il va falloir renégocier tout ça. On vous dit que dans d'autres entreprises, déjà, voilà ce qu'ils ont obtenu. Et on vous fait comprendre qu'il va falloir revoir vos prétentions. Par exemple, travailler le samedi matin, ça pourrait être une bonne idée, voire même le dimanche, revoir aussi le nombre de congés qui avaient été négociés pour les RTT, la réduction du temps de travail. Et si vous n'êtes pas d'accord, et s'il y a un accord de branche, avant l'entreprise ne pouvait rien décider qui soit moins satisfaisant, on appelle ça le moins-disant social, pour les salariés. Ça devait être mieux. Ça ne pouvait être que mieux que la loi. Maintenant, ça pourra être moins bien et chaque entreprise pourra choisir sa manière de fonctionner. Okay, so the idea, everybody knows, every human being knows in that system that he won't be able to have the same job all over the course of his life. And that means that he has to submit himself to the will of the boss.
And it also means that less and less people will be unionized in the system. And when the Macron government introduced this kind of reform, they told us it will be like in Germany, where things will be decided by the industrial branch. I don't know whether that thing, that the industrial, sector, sector, maybe it's sector. For example, automobile, okay, it's sector, yeah. It's sector. So before that, we had in France a hierarchy of the norms, and that hierarchy meant that over everything you had the constitution, and under the constitution you had the law, and this is a labor code that has been completely blown over by the government. You had the labor code, and then you had this convention within the sectors. Now, with the new law, the convention, what is discussed inside of the firm, is above everything. So you can basically you can decide everything within each firms, and everything will be discussed. Muriel is still in her previous firm; she's still a union representative. And they come up with discussions and putting into questions things that were there before. For example, you will have to work on Saturdays, on Saturday morning, even sometimes on Sundays. You had some holidays related to the reduction in working time. That will be discussed too, etc. 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 And you can before that, when you had an agreement with it within a firm, it couldn't be worse than the law. With the new law, you can decide whatever you want in the firm. You don't have that hierarchy with the law that is above what is decided inside the firm. So you can always improve the law inside the firm in the previous system. Now it's over. There is no general rule, you can discuss whatever you want. Ça veut dire en clair qu'il y aura un code de travail par entreprise. Chaque entreprise va décider de son code du travail. Et on sait très bien que quand on est employé, qu'on a un loyer à payer, des gamins à faire bouffer, et des salaires en général qui sont bas, on n'est pas en position de force devant son patron. Si on n'est pas protégé par la loi, par les syndicats pour se mettre en grève ou pour avoir certaines revendications, surtout si la nature du contrat à durée indéterminée est remise en question et n'existe plus. Parce que qu'est-ce que ça va être? Ça va être des CDI, donc des contrats de travail, pour accomplir une tâche. Par exemple, je dois organiser un séminaire qui aura lieu dans 6 mois. Ok, mon contrat est valable pour ces 6 mois-là. Et après, vous êtes convoqué, on fait un point. Et si on n'a plus besoin de vous, on vous dit oui, c'est bien, merci, mais vous n'avez pas atteint tous vos objectifs, donc au revoir. Voilà, c'est fini pour vous la semaine prochaine. Ok. So, with the new law, it concretely means that there will be a labor law that is different from one firm to another. Each firm will set its own labor law. And it is obvious that when you are employed, you need housing, you have kids to feed, you have a low wage, you are not in a very good position to bargain if you are not protected by the law, and if unions are weakened, like it is the case with the current law, especially in the long run contracts, the CDI that we were talking about before, disappear. Now what you will have is contracts for one task. For example, for 6 months, you will be employed to organize this seminar or something. And then after these 6 months, I will be able to say, okay, thank you, you have not reached your objective, goodbye. Un autre basculement aussi social en France. Alors ça touche... C'est assez important parce que ça touche à des choses qui vont empêcher les gens ou qui vont ralentir les moyens qu'auront les gens de se révolter après. C'est-à-dire que là, les gens sont assommés. On a des mesures comme ça qui nous viennent de Macron. Macron, il est là depuis le mois de juin. Hein. C'est rien.
Il est là depuis le mois de juin. Il a cassé les droits des travailleurs et le code du travail. Et il s'est occupé aussi d'un truc intéressant, l'assurance chômage et l'assurance maladie. Alors ça, déjà, quand on dit aux gens, il n'y a plus d'argent, c'est la crise, il faut réduire les dépenses publiques, on aimerait bien continuer à être généreux, mais ça coûte cher, c'est compliqué, on ne peut plus se le permettre. Il faut déjà rappeler que l'assurance maladie a été créée quand ? C'est le Conseil national de la résistance. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, et c'est dans une France qui était à genoux, où il n'y avait plus d'argent, où il n'y avait plus d'infrastructures, et où les gens ont trouvé, le gouvernement a trouvé, c'était un ministre de la Santé qui s'appelait Ambroise Croizat, qui avait été manœuvre dans une entreprise, il avait commencé comme ça, là, à 13 ans. Donc c'était un mec qui savait ce que ça voulait dire, se lever le matin pour travailler, les accidents du travail, le besoin de se soigner, voilà, c'est quelqu'un qui avait conscience de ça. C'était après la guerre, on n'avait plus d'argent, et on a mis en place ce système de solidarité assurantielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun cotise sur son salaire un peu d'argent qui servira, quand il sera malade, à pouvoir être soigné et que les soins soient pris en compte, même si ce sont des soins très chers qui ne pourraient jamais se payer avec un salaire. Okay, so another aspect of this society change, this major society change that we are facing, is not only about the labor code, but also about the unemployment system. So next they are gonna attack the employment compensation, the duration, the amount that is paid, and also they are going to attack the health system, the French health system. And the French health system has been created after World War II by the National Council of Resistance. And the minister in charge of this was called Ambroise Croizat. And Ambroise Croizat knew what he was doing. He started working when he was only 13. He was working as a manoeuvre, which is a basic worker. And he knew what it meant to become sick, to have accidents, to have this kind of things. So it was to face this kind of events that the French system has been created in a context in which France was completely over indebted, the economy was destroyed, there were no means at all, and we created that system and it worked. And now these people like Macron are coming and saying we need to diminish public spending, we would like to maintain the health system, but it's too expensive, come on, we cannot maintain it, and we need to reform that while it has been implemented in a context which was economically much worse. So these are pretexts. Dans le même temps, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, qui est un impôt que payait en France les plus fortunés. Voilà. Ça a été supprimé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un choix. Quand on, soi-disant, c'est la crise et qu'il faut faire des efforts, il faut regarder à qui on demande les efforts. Là, on dit, OK, on va enlever tous les impôts qui étaient pour les très riches. Alors, l'argument, c'est parce qu'il faut qu'ils restent chez nous, sinon ils vont partir, parce qu'ils n'auront plus d'argent. Bon. On a eu des pays, hein, comme aux États-Unis, où il est arrivé que les grandes fortunes soient taxées à 90%. Hein. Et les gens restaient. Et on peut mettre en place aussi un système d'impôt sur le revenu universel, hein, que certains pays appliquent déjà, et qui permet d'être imposé où qu'on aille. Ce qui fait que si les riches veulent fuir avec leur fortune, ils sont quand même imposés là-bas. Ça, c'est la façade, c'est le prétexte. Et derrière, ils sont en train de tuer tout simplement l'assurance chômage. Parce que quand on dit aux gens, vous n'avez pas beaucoup d'argent, on ne peut pas augmenter vos salaires, parce que c'est la crise et puis il y a la concurrence, il y a des gens qui sont moins payés que vous ailleurs. Mais par contre, on peut vous donner, allez, 100, 150 euros de plus par mois sur vos salaires. Et regardez, c'est facile, on va supprimer les cotisations que chaque salarié paye par mois pour l'assurance chômage et pour l'assurance maladie. Okay. So in the same time, like Macron would say, he says that all the time, in the same time, Macron has decided to suppress partly the tax
on the very rich, which is impôt sur la fortune in French. So the tax on the very rich, especially on stocks they hold, with the pretext of this is a comment I make, and this is not what Muriel said. They suppressed the tax on the very rich, especially on the stocks they hold. Not the flow of stocks, not the flow of stocks, but the stock of stocks, which means that they don't pay taxes anymore. And with the pretext, of course, that if we maintain these taxes, the very rich will go away, will leave France. And by the way, it is not true, because in Europe, France is the country, the second country, in which you have the most number of billionaires. Right. This is also the highest number of billionaires. This is also a comment I make. So it's a choice. See to whom they are demanding to make efforts. It is not to the rich people, it is to the poor people at the bottom of the scale, and to the workers. There are ways to avoid these people going away. For example, in the US, remember that under Roosevelt, you had a higher marginal tax rate of 90%. And there is another way to avoid this kind of things, is to decide to have a universal tax system where you can go away, of course, but you still pay taxes at home. And this is a system that exists also in the United States, right? If you go away, you have to pay the difference between what you would have paid in the US and what you pay in a new country to the US. So, on the one hand, they suppress this tax on the very rich, and on the other hand, they kill the social system for the unemployed. What they are doing, up to now, people working would pay some contribution to the unemployment system, and so it's a kind of insurance, but public insurance. You pay the contribution, and then when you get unemployed, you get an unemployment compensation. What they are saying, okay, we cannot increase your wages because you understand it's competition, we have to maintain your wages. But a way to increase your income would be to take this part that you were paying for the compensation system, for the unemployment system, we give it back to you, so you don't pay that anymore. And so you have 100 or 150 euros more every month. And but on the other hand, we reform the unemployment system. And we get rid of it. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En contrepartie, on va réformer l'assurance maladie et l'assurance chômage. Ça veut dire qu'ils ont décidé de nous faire basculer vers le système anglo-saxon, où en fait, c'est plus une assurance pour l'assurance maladie et le chômage. C'est l'État, via les impôts sur le revenu, qui va faire fonctionner le système. Alors, on pourrait se dire, ouais, ça peut être pas mal. Sauf qu'en France, il y a une fiscalité absolument injuste. Il y a très peu de tranches et on se rend compte que l'effort, en fait, pour la contribution à l'État pèse toujours sur les mêmes, sur la classe moyenne. La classe moyenne qui est en train de se réduire et de s'appauvrir et qui ne pourra plus le supporter. Et dans les pays où ce système-là est mis en place, qu'est-ce qu'on observe? On observe ce qu'on commence à observer chez nous, des déremboursements. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments où on va vous dire... Ça, vous n'en avez pas vraiment besoin. Si vous ne le prenez pas, vous n'allez pas mourir. On ne va pas le rembourser. Voilà, c'est vous qui le payerez maintenant. On va vous dire, on développe beaucoup aussi chez nous ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez à l'hôpital ou dans une clinique vous faire opérer. Ce n'est pas un truc super grave. Avant, vous gardez 3-4 jours pour être sûr que vous alliez bien. Maintenant, dans la journée, alors c'est pour la maternité beaucoup chez nous et pour tout ce qui est orthopédique. Voilà. On vous dit, bon, maintenant c'est bon, vous avez été opéré, vous rentrez, et si ça ne va pas, vous nous appelez. Mais on enlève des lits. On enlève la possibilité aux gens, après, s'il y a un problème, petit à petit, on réduit et on ferme des services. Ça veut dire qu'on est en train de ne plus pouvoir revenir en arrière et d'habituer les gens à aller à l'hôpital juste pour subir un acte, avec pas le suivi derrière et pas le temps
de se reposer, et puis s'il y a un problème, eh ben, tant pis pour vous. Hein. On a eu, nous, récemment, le cas dans l'Hérault de quelqu'un qui est mort comme ça parce qu'on l'avait fait partir trop vite de l'hôpital. Et quand la dame a voulu revenir, ben, c'était une hémorragie, c'était trop tard. Voilà. So we are going ahead with these reforms of the health system and the unemployment system, and we are currently moving to an Anglo-Saxon system where it's not an insurance system anymore, and it is a state that will take care of the system. But this is a problem because then it will be paid by the middle classes because you have less and less marginal tax rates in our countries, and at some point the middle classes will not be able to bear that anymore. So what they do is to decide that drugs that were previously reimbursed by the social security system will not be reimbursed anymore. Is a tendency, so they say, okay, maybe you don't need that, or maybe you don't need this other drug, and so on. And this is particularly dramatic in the case of the hospital, because more and more, when you give birth, when you have issues with your feet, you come to the hospital just for one day. It's called chirurgie ambulatoire. I don't know how you would call that in English. You just go for one day, and then they send you back home. They don't keep you at in the hospital anymore for 3 or 4 days to follow your case. And so they progressively close some parts of the hospitals. We say they remove beds, and it becomes irreversible. It becomes irreversible because when they close services, they don't reopen anymore. And the danger of that, for example, if you are not followed anymore, if they say to you, okay, come one day, and then the next day you go back home, the danger of that is if you are not followed and something gets more complicated, you sometimes you can die, and that happened recently in Hérault, which is the region where Muriel comes from. Alors, derrière ça, il y a aussi le fait que les gens en France, là, maintenant, ici et maintenant, en 2017, 20% des gens ne se soignent pas. Mais pas parce qu'ils ont décidé de ne pas se soigner, hein, pas parce qu'ils ont des croyances spirituelles particulières, parce qu'ils n'ont pas l'accès aux soins. Parce que payer le médecin, parce que payer des soins qui ne sont pas remboursés ou faire l'avance, les gens ne peuvent plus le faire. 20%, c'est énorme, c'est énorme. Et avec ce système-là, on aura une assurance maladie qui vous accompagnera en gros pour les maladies très graves, c'est-à-dire on vous accompagnera jusqu'à la mort, c'est gentil, on aurait préféré qu'on nous aide à vivre plus longtemps en bonne santé, c'est comme ça. Et certaines maladies chroniques, c'est en cours de discussion, où ils disent oui, il y a peut-être quand même quelques maladies chroniques, alors c'est peut-être celles qu'ils ont eux en haut, ceux qui décident, ça, ce serait remboursé. Pour tout le reste, si vous avez de l'argent, si vous pouvez payer des mutuelles, très bien, et puis sinon, tant pis pour vous. Il faudra souffrir en serrant les dents et en souriant. Ça c'est en train de se passer ici et maintenant. Okay. And the thing is that currently in this country, 20% of the people don't have access to healthcare. 20%. They don't have access to healthcare, and are making it worse because the very idea of our current elites is that we should have a public system, a health system for the very serious diseases like cancer, and maybe some chronic diseases, probably the kind of disease the people who govern us have, so they keep the system for themselves. But for the rest, either you can access to a private insurance, or you suffer in silence and you are happy with it. You are not happy. No. With it. Okay. Et ça, hein? Ouais, je vais accélérer. Voilà. Il y a aussi ce qu'on observe, c'est un basculement. Donc là, on a vu le basculement déjà idéologique. C'est-à-dire celui qui nous prépare à avaler tout le reste. C'est-à-dire d'accepter comme des faits, comme des données,
comme quelque chose qui est inéluctable et qu'on ne peut pas changer, le fait que c'est la crise, qu'il faut respecter les 3%, on ne nous dit pas on va s'unir, on va essayer de faire voir à ceux qui dirigent l'Europe les choses autrement, on va essayer de faire une Europe sociale. On nous dit c'est comme ça, il faut l'accepter. Du coup, ça engendre un basculement au niveau social et sociétal. Ça veut dire qu'on accepte maintenant d'être dans un système où le travail ne libère plus, où l'être humain doit se plier au travail et redevient un espèce d'outil de production, mais sans âme, sans cœur, sans projet de vie et sans pouvoir se projeter dans la société, et qui se soignera s'il a de la chance, mais pas tout le temps. Voilà. Ça veut dire qu'on est en train de l'accepter. Et aussi, on a vu un basculement de gouvernance avec Macron. Alors moi, c'est mon premier mandat en tant que député, et j'ai été assez choquée du symbole qu'a fait Emmanuel Macron quand il a été élu. Il a fait un congrès extraordinaire à Versailles. Alors Versailles, en plus, symboliquement, chez nous, c'est la monarchie, c'est pas la République. Donc ça veut dire quelque chose. Et il a fait son discours avant le Premier ministre. D'habitude, en France, le Premier ministre prend la parole en premier devant les parlementaires et explique un petit peu quelle va être la politique. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le gouvernement, normalement, qui a... Alors évidemment, le président impulse et choisit le gouvernement, mais qui a une utilité dans sa fonction et qui vient rendre des comptes devant le Parlement. Déjà là, symboliquement, on a un gars qui vient d'être élu président et qui vous dit « Bonjour, à partir de maintenant, voilà mon premier discours, c'est Versailles, un lieu symbolique de la monarchie. » Donc déjà, la République, vous pouvez commencer à l'oublier. Et c'est moi qui décide. C'est moi qui parle en premier et c'est moi qui décide. Ok. So we have been talking about the ideological change up to now. The very fact that these people present the free person, the crisis, as facts that are there, that we shouldn't discuss, that we shouldn't try to change, we shouldn't try to change Europe, there are facts, is like this. There is no alternative, right? So we have a society change where labor doesn't free the human being anymore, where the human being becomes just a tool of production, and who will be able to access to healthcare if he is lucky. But we also have a major change in the governance. And from the symbolical point of view, Muriel has been really shocked by the fact that Macron, one of the first things he has done is to invite the Congress in Versailles. The Congress is the National Assembly plus the Senate, right? Mm-hmm. In Versailles. Versailles, as you know, as a symbol, is not the symbol of the French Republic, it's the symbol of the French monarchy, okay? That, because there used to be the king there in Versailles. And so, and another fact is that usually when you have the Congress, it is the first minister that speaks first because he's the head of the government, he's going to explain the policy, of course, with coordination of, in coordination with the president and along the lines that are the ones who were presented by the president. But there, in Versailles, Macron has spoken first. Before the prime minister, who is normally the guy in charge, and who is the guy responsible in front of the parliament. So symbolically, the fact that he decides to choose Versailles and the fact that he decides to speak first before his prime minister is a symbol of this change in governance. Macron se sert aussi de l'image négative des politiques en France, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil. Quand on fait de la politique, on est un sale type ou une sale nana qui mettons un peu d'argent de côté, qui trichons, qui mentons, etc. Il y a une mauvaise image qui n'est pas due au hasard. Une mauvaise image parce qu'effectivement, il y a eu des politiques qui ont triché, qui ont menti, qui ont pris l'argent qui n'était pas à eux, l'argent public, etc. Voilà. Et au lieu de dire « on va réprimer ces comportements », il s'en sert pour dire « ok, cette démocratie, en fait, elle ne marche pas très bien, on n'a peut-être pas besoin d'autant de monde élu par le peuple. » Donc on pourrait réduire le nombre de députés.
on pourrait en enlever, actuellement il y en a 577, il voudrait en enlever au moins 100 ou 150. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a des territoires qui seront moins représentés, qui vont être agrandis, et ça change le rapport au peuple, et ça lui donne à lui encore plus de pouvoir. Il s'en est servi aussi pour enlever la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, c'était de l'argent qui était donné à chaque député, à la base, qu'ils pouvaient utiliser comme ils voulaient, donc c'était une horreur, ça leur permettait d'acheter les gens, et après, qui a été régulé et qui était souvent donné beaucoup à des associations. Et depuis le 2013, sur Internet, vous et moi, on pouvait regarder ce que son député avait fait de l'argent et à qui il l'avait donné. Ok. So, Macron is also using the bad image that politicians have, sometimes for very good reasons. You know, most politicians, so there is that view that politicians have are bad guys or bad girls who cheat, who lie, who corrupt, etc. But instead of saying, okay, we'll repress that kind of behavior, corruption and so on, he has decided to reduce the number of members of parliament. Currently, we have 577 members of parliament, and he wants to reduce this number to remove 100 to 150 people from the National Assembly, which means that there is less representation of the people at the National Assembly, and which means more power to the president, that is to him. And he also decided to remove something which is very symbolical up to 2013. The member of parliament had what was called the reserve, parliamentary reserve. Initially it was horrible because it was money, they could do whatever they wanted with it. But from 2013 on, they were forced to declare on the internet what they were doing with that money, and you could check what they were doing to that money. And what most members of parliament would do is to give that money to the to associations and so on. And Macron has decided to remove that. So it means much less money to associations. Et l'argent n'est pas allé aux collectivités. On aurait pu dire, OK, on vous prend l'argent à vous parce que vous êtes tout seul à décider, c'est pas très juste, mais on le donne aux villes. On le donne aux régions, on le donne aux départements. Là, ils ont gardé l'argent. L'argent est à Bercy et on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Voilà, ils le gardent. Par contre, ils ont laissé la réserve ministérielle. Réserve ministérielle, alors peut-être certains d'entre vous ne savent même pas que ça existe. Les ministres ont de l'argent aussi, ont une enveloppe. Et alors là, ils en font absolument ce qu'ils veulent sans rendre de compte à personne. À personne. Ça, c'est resté. Okay, Muriel is saying that, okay, we could have said we remove that reserve from the member of parliament and we give it to the cities, we give it to the regions, we give it to the département, which is an intermediate level in France, but I have not decided to do that at all. They have decided to keep the money. And on the other hand, we still, they decided to maintain the reserves that people in government have, and the difference is that with these reserves they can do whatever they want. They have nothing to publish on the web. No. They don't need to say what they what they do with that money, etc. Oh, they could buy cocaine, it's okay. Yeah. Okay. Il y a aussi quelque chose qui rend possible ce basculement, c'est les mots. Les mots changent de sens. Avant, il y avait la gauche, moi, et il y avait la droite. Et on savait que quelqu'un de gauche, en gros, voulait une économie un peu plus humaine, avec des écarts de salaire moindres, entre voilà, une redistribution des richesses, etc. Et puis on a eu François Hollande. Alors François Hollande était un président socialiste qui s'est fait élire avec le discours du Bourget. Alors le discours du Bourget, c'était... moi, je sais parce que moi, je me suis fait avoir. Je n'ai pas voté pour lui au premier tour, mais au deuxième tour, je me suis dit, bon, il y a le discours du Bourget. Il a dit, mon ennemi, c'est la finance. Moi, ça m'allait. Et il a dit, le droit de vote pour les étrangers. Moi, ça fait des années que je me bats pour ça. Je dis, bon, au moins, il y aura ça. Et puis, pour le reste, il ne fera pas trop de bêtises. Bon. Et en fait, on a eu un mec qui a fait une politique de droite.
qu'a fait l'ANI, qu'a fait la loi El Khomri. Alors la loi El Khomri, l'ANI, il y a eu Macron aussi derrière. Macron travaillait avec lui, a été son conseiller économique et disait que la loi El Khomri, 1 million de personnes dans la rue quand même en France contre la loi El Khomri, c'était un peu trop mou pour lui, c'était un peu trop léger. Donc si on avait été attentif, on aurait pu quand même comprendre ce qui allait se passer. Alors ils ont changé. Vas-y. Ok. So we have also a major change in words. Before François Hollande, the previous president, we had the left wing and the right wing. And usually left wing would mean that you are in favor of an economy that would be more human, that you want to reduce, you know, the spread of the wages, that you want more redistribution. But then came François Hollande, who was meant to be a socialist, and many people were fooled by François Hollande, and especially during his campaign. He made a speech in the Bourget where he said, my enemy is finance. My enemy is finance. And he also said that he would allow strangers to vote at the elections. But he did nothing of that. And he took many right-wing measures, like, for example, the El Khomri law, which was already a major reform of the labor market. 1 million Oui, plus d'un million. 1 million person protested against his reform and still he implemented that. And the other reform was l'accord national sur l'investissement, oui. C'est ça. And another reform was a national agreement on investment, which is really right-wing oriented. And from the beginning, by the way, Macron was there as an advisor to Hollande and then as the minister of the economy. So. Basically, the idea is that François Hollande, with Macron behind him, killed the idea of left-wing. And people have said now, when you say left-wing, it means that you are like Hollande. Et du coup, l'idée de gauche et les valeurs que portait la gauche ont pendant un moment disparu. Quand on tractait pendant les campagnes et qu'on allait voir les gens pour leur parler un petit peu politique, et quand ils nous disaient « Vous êtes de gauche ?» Et de gauche, ça voulait dire « vous nous avez trahis ». Et alors, on devait dire « oui, mais pas socialiste ». Et là, les gens se calmaient. Mais sinon, vous vous faisiez vraiment agresser, quoi. Parce que, et je le comprends, parce que les gens avaient la rage et la colère parce qu'ils s'étaient fait trahir. Il y a quand même eu aussi, pendant ce quinquennat, l'augmentation de l'âge pour partir à la retraite. Voilà, alors que le chômage augmente. Bon. Donc, les mots ont changé. Ça a fait disparaître aussi, du coup, si vous n'avez plus de droite et si vous n'avez plus de gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les meilleures idées qui viennent de partout et on dit non, il n'y a pas de vision sociétale différente, ni économique, tout ça c'est du pipeau, il n'y a plus de lutte des classes, par exemple. Tout ça, ça disparaît. Bon. Et ça permet aussi de faire passer après leur sale réforme derrière. Il n'y a plus de pauvres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chez nous en France, il n'y a plus de pauvres. Il y a des personnes aux revenus modestes. Alors, ça touche moins, on se dit, les pauvres quand même, on se dit, merde, il faut faire quelque chose pour eux. Personne aux revenus modestes, bon, ça doit aller. Bon, il n'y a plus de vieux. Il n'y a plus de vieux, il y a des seniors. Alors, les seniors, ils peuvent travailler encore jusqu'à 70, 75 ans. Il n'y a pas de souci. Ok. So, for a while, even the left wing had disappeared. And when you would be left-wing, like Muriel, and you would go to a market, and you would say to people, I'm left-wing, they would say, you are left-wing, betrayer, it's a betrayal, you are a traitor, okay? And then you had to say, no, I'm not a socialist, and then people would calm down. And so, yes, and this is fully justified under our government that has increased the age necessary to get a pension, so you work older, and at the same time under a government where unemployment has increased. So if there is no left wing anymore, what you do is what Macron is pretending to do, to take the best ideas from everywhere. And it means that you don't have any struggle of the classes anymore.
if there is no left wing. No classes, no struggle of the classes. And the funny thing, maybe you are not aware of that, is that the poor people have disappeared. They are not here anymore. There are no poor people anymore. These are persons with modest incomes. And you have no old people anymore, you have seniors. So senior people can work up to 75. Why not? So, dans 5 minutes. 5 minutes, oui. Et tout ça, le fait de changer les mots, ça change notre façon de se comporter. Et du coup, on accepte ça. Maintenant, il y a des choses, avant, on ne pouvait pas dire. On ne pouvait pas dire en France que les chômeurs étaient des feignants. On ne pouvait pas dire en France que les riches, on ne pouvait pas leur prendre de l'argent, sinon ils allaient partir. Parce que les gens vous regardaient avec des yeux comme ça. On ne pouvait pas dire non plus une phrase du genre « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Ça, vous avez dû l'entendre souvent. Ça veut dire « Oui, il y a des réfugiés, mais vous comprenez, on n'a pas la place ». Bon, en réalité, quand vous regardez les études et les chiffres, on se rend compte que, heureusement qu'il y a les étrangers qui viennent en France, parce que c'est une richesse extraordinaire, et même au niveau économique pour notre pays. Je ne parle même pas, je parle froidement comme un capitaliste, hein, je ne parle pas de la richesse humaine, de la différence des cultures. Moi, j'ai toujours grandi avec différentes cultures autour de moi et différentes classes sociales, pour rien au monde, je changerais ma façon de vivre. Voilà. Mais même si vous tenez compte de ça, c'était des phrases avant qui ne pouvaient pas être dites en France, d'abord parce qu'elles étaient fausses et les gens vous disaient « mais attendez ». Comme quand vous dites aussi, oui, quand même, les chômeurs, il y a beaucoup de feignants. Maintenant, on peut dire ces phrases-là. On peut dire ces phrases-là parce qu'on nous a mis dans la tête que c'était vrai. Il y a autre chose aussi, ça c'est un basculement de société auquel peut-être vous pensez moins, mais parce que c'est plus votre génération et que vous êtes presque nés avec, c'est la perte de l'intime, de tout ce qui n'appartient qu'à vous et que personne d'autre ne peut voir. Dans la vraie vie, je dis la vraie vie parce qu'après il y a la vie virtuelle qui se développe de plus en plus, quand vous rentrez chez vous, personne ne voit ce que vous faites, personne ne vous écoute. Et vous pouvez être vous, vous pouvez essayer des choses, vous pouvez faire des choses qui ne sont pas conformes à ce que sociétalement on attend de vous, de la morale, etc. Et ça ne regarde que vous. Maintenant, avec... Ce qu'il y a eu, il y a eu les attentats, hein, il y a eu le terrorisme, etc. Les gens ont eu peur, très peur. Et on a réagi chez nous, pareil, hein, la France n'a pas fait exception, l'état d'urgence. Et aux États-Unis aussi. Et les gens ont accepté, alors on vous disait, si vous êtes contre, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Si vous n'avez rien à cacher, vous devez accepter d'être écouté, chez vous, que le téléphone soit écouté et qu'on regarde ce que vous faites sur Internet. Okay. There are things that previously you couldn't say in France, and that progressively they impose, and that now you can say. Some time ago, you couldn't say that the unemployed are lazy people. You couldn't say that, and now you can say that, and it's pushed forward more and more. You can say that we cannot take the money out of the rich because people will look at you and say, what? So what? What the fuck? What the fuck? No, that's not what you said. It was a way to be young. Okay. You couldn't say that. You couldn't say, okay, we cannot take people from the rich because blah, 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 they will flee. No. No, you can say that. You couldn't say that we cannot welcome all the misery of the world, which is something a prime minister said, in fact. Yeah. And now you can say that. So, which means that immigrants are not welcome, and that is not that is false, not only from a human point of view, from the point of view of mixing cultures, it's a real wealth in human terms, but even putting that aside from a pure economic capitalist point of view, strangers who come, immigrants who come, bring wealth to the economy. And another aspect of this civilization change is losing what was intimate. So maybe your generation is less familiar to that, but before you had a space which was a home,
that space used to belong to you, and you could do whatever you wanted to do, even if these behaviors did not conform to the general morality of the society. Now, with the attacks, the terrorist attacks, there is that very idea, these very ideas that the government should be able to listen to whatever you say on the phone. It should be able to check your emails, should be able to see your messages, because if you don't accept that, it means that you have something to hide, so that you are a suspect. Le numérique aussi est rentré dans nos vies en parallèle avec ça, mais on l'accepte. On accepte, par exemple, que quand on fait une recherche sur Internet, c'est tracé. Alors, on vous dit, vous nettoyez l'historique. Pas du tout. Vous pouvez nettoyer l'historique. On retrouve tout. Moi, j'ai quelques copains qui sont capables de le faire. Donc, s'ils sont capables de le faire, je pense que d'autres aussi. Donc, ça veut dire qu'on accepte qu'à partir du moment où on est connecté, au lieu d'avoir une recherche intime, on se dit, oula, ce que je suis en train de taper, là, ça va rester. On va le voir. Dans 3 mois, dans 6 mois, quelqu'un va pouvoir me dire, tiens, tu as cherché Daesh ? Tiens, tu as cherché cancer du sein ? Pourquoi ? Tu es malade ? Voilà. Donc les gens, il y a des études qui l'ont prouvé, avant de taper quelque chose sur le moteur de recherche, il y a des choses où on va se dire, ah non, pas ça. Donc il y a des choses qu'on ne va pas chercher, parce qu'on sait que c'est mal vu et on s'auto-censure. Et là, il y a des études intéressantes qui commencent à sortir sur ça. On est en train de changer la façon de se comporter en tant qu'être humain parce qu'on intègre qu'à partir de maintenant, on est potentiellement surveillé, observé dans tous les domaines de notre vie, à peu près tout le temps. Et au lieu de se révolter, on change notre manière de faire pour que les choses ne se voient pas. Par exemple, on a fait des études, quand vous partagez quelque chose sur Facebook, ou quand vous mettez un post, vous le mettez en fonction de ce que vont penser vos amis. Ça veut dire que si vous savez que ce que vous allez dire, écrire ou partager va être contre la pensée dominante de vos amis, 9 fois sur 10, vous ne le mettez pas. Ça, c'est des données aussi à en prendre en compte. Ok, there is also a change with the IT. The internet and so on. There is also a change with the IT because we all know that people say that if you clean the history of your browser, you get rid of it, and we all know that it's very easy to get back what you have put in your browser. And we all know that our, how do you call that, our internet provider will be able to know everything we have done. So, and in 3 months or 6 months, people will be able to say to you, what did you search on the internet? Oh, you were looking for the breast cancer. Do you have cancer? Or you have been looking for Daesh, you want to go to Syria? So studies, serious studies, are currently showing that instead of a revolt against this kind of taking everything out of our lives, people are accepting that. And if they are accepting that, it means that before typing something on the internet, there will be auto-censorship. Auto-censorship. So there is the you know, it's like Big Brother. We are being watched, we are being observed in all the aspects of our life, and there is more and more acceptance of that. Yeah. Maybe I'm betraying what you said. The same studies also say that before putting something on Facebook, more and more people think about what their friends will think about it, not whether you should put it because it corresponds to your interests and so on, but you put it thinking what your friends and how your friends will react and think about it. Yeah.
on va conclure. Pour conclure, je dirais qu'on est à un moment où, au niveau de la société, on sent qu'il y a ce basculement, au niveau des droits sociaux et au niveau économique aussi, du modèle économique qu'on va choisir. Est-ce qu'on va garder ce système capitaliste, mais qui est en train lui-même de s'écraser, qui est en train de pourrir la planète et qui est en train de faire de nous plus des êtres humains qui nous accomplissons et qui avons un destin et un projet de vie, mais juste des outils qui servent à travailler, des gens qu'on met en concurrence et en compétition les uns avec les autres. Voilà, à nous de voir si on va accepter ça ou pas, ou est-ce qu'on va se tourner vers une économie réelle à nouveau. Je pense au circuit court, je pense notamment à l'alimentation biologique, je pense à une manière de faire qui respecte et les êtres humains, et l'environnement, et les animaux, parce qu'on a encore le choix, c'est pas encore trop tard. Voilà, on est à ce moment-là, on a un moment où nos rapports humains sont changés par les rapports sociaux, mais à la fois qui sont aussi un outil, je veux dire, c'est quand même un outil génial et dont il faut se servir, mais il faut avoir conscience que ça modifie notre manière d'être, notre manière, et surtout chez les jeunes, de se rencontrer, de se quitter, d'avoir une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse ou pas. Ça aussi, on est en train de voir que ça change la manière de se comporter. Voilà. Donc il faut réfléchir, on est à la fois à un moment de l'histoire absolument passionnant, parce qu'on est à un moment donné où on connaît un système qui est en train de s'effondrer, voilà. Et où un autre naît, et il va naître, alors soit on va en être les spectateurs de loin, je ne trouve pas ça très bien, soit on va en être acteur, et on va voir, on verra, hein, peut-être dans 5-10 ans on va se revoir, et on verra dans cette salle qu'est-ce que chacun d'entre vous a choisi de faire, parce que c'est Spinoza hein, qui disait ça, nous ne sommes que ce que nous faisons, ce sont nos actes qui nous font exister. Quand les gens vous parlent, quand les gens blablatent, moi j'écoute, mais je regarde ce qu'ils font. Voilà. Pour connaître quelqu'un, il faut savoir ce qu'il fait. Et on verra ici dans cette salle ce que moi j'aurais fait, ce que vous aurez fait, parce que la vie est ainsi faite, et je suis sûre qu'il y a au moins certains d'entre vous que je recroiserai. Quelle place vous avez prise, quelle place on a prise dans ce basculement de société, de quel côté on s'est mis, parce qu'on va arriver à un moment où on va être obligé de prendre parti et où on ne pourra plus se contenter de regarder de loin parce que ça va toucher chacun d'entre nous. Et là, voilà, l'histoire est en train de s'écrire. Mais voilà, je pense qu'on se reverra. OK. So to conclude, we are currently on the edge. So we have this society change about our social rights, about our economic model. The capitalist system has reached a state where we have to make some decisions about this system. Can we accept that the human being is seen only as a tool? Can we accept everything that has been described previously in this presentation? Or are we going to change the system? Maybe we are going to go back to something which is more real, the real economy, mm-hmm. with short circuits, you know, how do you call that? You study that in option A, where instead of having these very large circuits, you have short circuits, you know. Local economy and also the organic productions. The internet technology, so we still have the choice. So it's a moment of choice. So it's a fascinating moment. It's a fascinating moment because a system is collapsing, another one is arising, and will we just watch it happen, or will we act on the system? Spinoza used to say that we are, you know, Spinoza is a philosopher, we are only what we do. So the action is fundamental. So maybe in 10 years we'll see each other again, mm-hmm. and ask each other what we have done in the meantime, what we have done in this change. At some stage we will have to take sides. And I think that EPOC students, most of them, will take aside the good way. But so, and the very end was to say that.
you have to take side, yeah, and in 10 years, take side. You need to take side, and in 10 years we'll see each other and see which parts you have taken. It is a major change. That's it. Thank you, Muriel, earlier, because it was a very, very insightful presentation. And now, going very quickly to our comments, our idea was to talk about this big question Muriel is bringing to the floor, which is our society as a crossroads and at a moment of reconfiguration of power relations? And I think she gave a number of examples and arguments on that direction. So basically, we will make a short introduction. We will discuss two of the main points we found particularly interesting in her text, which are increasing inequality trends and the changes in the political landscape. And then we have just one weak question from our side, and then we leave it to you guys. What's the strategy for the left in this complex political context? So then we open the discussion. Carmen, please. I stay on my chair, if that's okay. So briefly to introduce, several points have been mentioned, and we will focus on increased inequality and changes in the political landscape. So as we all know, neoliberalism has played its wealthy part in making many of us non-wealthy, and these are the consequences we have observed for the latest since the 80s. And this has become visible via several means, but one incident of this is definitely there's also a lack of race to the bottom preventions in, for example, EU regulations. So you will see we'll go a bit away from France towards the European Union. And also there have been changes in the political landscape. So as has been wonderfully mentioned, the Social Democrats sort of defected, they gave in to neoliberalism, and they were cuddling, or are still cuddling, with parts of the with the bourgeoisie or with liberalism itself. And by this, they have created a political vacuum, which has been unprecedented in historical comparison. But it has most of all allowed for an upswing of the right all over the place. And because of these two developments, one can say that we are seeing a shift, a societal shift, from liberalism to authoritarianism. We go into these points more deeply and start with increased inequality. There are many graphs we could show you. This one is the statutory corporate income tax rate from several OECD countries. And we were speaking about the wealth tax, and I think that's more important, or as regarding the article, but however, it's a bit difficult with wealth taxes and to really show them, you will see in a second. So here is sort of as a broad trend line, one can see very well that even after the 2000s, there's a relative steep decline in tax in corporate taxation, and not even the crisis has changed anything about this. As said, it's a bit difficult with wealth taxation in global comparison. This is because countries usually levy their taxes very differently. And it's not many countries that have a wealth tax. If we look at this graph, this is taxes on property as found by the OECD. And you see on the lower end, there is obviously Germany, which is always great in setting non-standards. It's far below OECD average. Other countries are above. What is problematic about this tax on property, that the OECD counts several different taxes as taxes on property. So the German taxes on holding a dog, for example, is included here. So a dog would basically be an asset, which is a bit problematic. And on top, these taxes on property here are in percentage of GDP. That is to say, these taxes are always related to the economic outcome, to the economic performance, and that's what makes it very difficult to really compare them. To ask a bit from the other side, one question we can pose is, why should we have no wealth tax? Usually the left is very united about wanting to have one.
Well, there are several arguments, and three of them I think are not easily to be dismissed. Three others are more easily to be dismissed. So more complex is the idea that wealth tax basically resembles an income tax, that is, an income is a flow and wealth is a stock. And if we tax a stock which has arisen from the flow, then we can tax twice. However, this we leave it like this for now. Then a striking argument from my personal perspective is that taxing, if you want to tax capital higher, vis-à-vis labor, then you could use other income-based taxation measures, which would not further complicate the tax regimes, which are already quite messy and not well attainable. And well, then another problem could be that it is levied on predicted returns and not so much on the actually realized wealth. That is to say, non-realized wealth could also be taxed. Some excuses maybe to favor the rich could be the arguments that there are high administrative costs to a wealth tax, because it's difficult to walk through bedrooms and count Picassos in private people's homes. Then also, depending on the legal basis, there's always a possibility to circumvent these taxes. And finally, capital flight is always sort of the prior argument against the wealth tax. But as we have partially heard, and we have partially read for France, for example, this does not hold. Or what is leaving France is not leaving France because of the change in the wealth tax. Finally, on increased inequality, you all have heard of Piketty very briefly. His main argument, his theoretical basis, which is not particularly strong. Was the very first EPOC joint seminar is still on the web. Okay. So his general idea is that the long-term rate of return on capital is higher than the rate of growth, and this has led in the longer term, throughout the last decades, to a wealth concentration, which can only be counteracted against if we introduce a progressive system of global wealth taxes as a solution to economic inequality. But as you can imagine, this is not the easiest thing to implement. And now we go on and talk about the changes in the political landscape. Thanks. So to move on to the second big trend that we identified, there is this, as we all know, this rising power in the far or extreme right political parties, which of course has many factors. Some of them have been explored before, but just these graphs, it's from The Economist. They are looking at voting intention, and we see how the trend goes up very clearly in most of European countries. Here they sample just a few of them, but we can see how in Poland it was up to 45%. This is in the year 2016. And the last elections of Austria are not here, but as we know, the right had also a very high result. The same for France, as we know, Germany, etc. So this sort of illustrates this big danger we see of the populists of the right side emerging in a very rapid pace. So basically, the big question we all can ask is, why are people drawn to the right? Here are only a few of the most convincing arguments from our point of view. This feeling of loss of power and control that societies are having across the globe, and particularly in Europe with the immigration waves. The feeling of being left behind, and the fact of being left behind, Carmen found a very interesting paper on trying to say, does it really matter if it's only a feeling of being left behind, or is if you feel you are left behind, you are already left behind? So we shouldn't dismiss that argument. That's what we want to bring to the table. Then this losing from the results of globalization and what has been called by Pele barge economies, which is this fact that companies fly from one country to another.
because of global change, global value change, but also because of different reasons where they are only looking for more profit and because of financialization, as we know. So the impact of this in real life and in the real economy, as Muriel stresses, is very high. And then this idea of the invisibility of the real enemy, we cannot see as common citizens capitalism and its effects, but we do see immigrants coming rapidly to our cities, and we have fear, and this fear is fueled by the media. So that, of course, has a lot to do with the explanation. And then the right-wing populists who exploit these feelings of anger, anxiety, fear, and we frame it as they broaden the space of what is speakable, because we are seeing again racist views, for example, in our countries, particularly in Europe, where it was a taboo before, of course, to have fascist ideas, for example, and now it's okay again to say that, to go to a protest and say that. So then they offer, in a way, a channel of to this anger, and they pretend to be against the establishment. They pretend because we know, of course, they are part of the establishment, and just the taxation policies can be an example of this. So moving on, as we said at the beginning, our big question is, okay, we have the picture, but what's the strategy to the left? And of course, me being South America, you know me, guys, I have a bias, but we are trying to make use of it. So Carmen is going to frame it a little bit in the Gramsci perspective. Okay. Yeah, thanks to Gramsci, there exists now in political science a thing called historic materialistic political analysis. The idea of this is briefly not to focus only on outcomes, but to look at the processes, at the actors, at what drives people and what makes them strive towards hegemony. This has been done by colleagues, and they provide sort of an analysis for the current state of Europe, and they try to identify groups of actors that have certain goals. They use certain strategies in order to bring on the table a certain project. And they distinguish between five projects. So there's the pro-European social project. It comes from a Fordist and male breadwinning tradition. Then there's the left liberal alternative project. It's very progressive. It's obsessed a bit with minority groups. Mm-hmm. It's based on normative citizenship. These two, we can call them left projects, and we may wonder soon how they can interact. And then there's a national conservative project and a national social project, and the actually ruling project, which is the neoliberal project, which by now I guess we know what it's about. So the question is, if we look at this from such a project-oriented perspective, how can we make the left become the ruling project? How can we get actors together to do so? And how can we all overcome divides even within the left between different perpetuators of different stations? And yeah, let's learn some lessons from South America. If we can. How come you're talking about South America? Yes, crazy, right? No, I was reading a little bit of Pablo Iglesias in Spain. We are seeing a number of European political parties do this, try to look at Latin America last, what it was called, one decade. And I like this quote by Pablo Iglesias, who's saying, each context is different, we do acknowledge that, but we still believe that Latin America is sort of a lab where we can take some lessons, and that's what we will quickly try to do. So Carmen introduced Gramsci to this perspective because, in a way, this process, you know, it was at the beginning of the 21st century, Latin America had been the perfect lab for the International Monetary Fund policies, and there was a big discontent in the people, and this, again, this anger against politicians. But this was channeled in a different way, in a productive way, one could say, because the political parties and social movements were able to move from protest to proposal. So it's saying that it is possible to transform indignation into institutional power. How did they did it? Just very quickly, they mobilized people
through local assembly groups and other sorts of local organizations, mm-hmm. but that was already happening. That's a bit what we can see in comparison with Europe. If we look at the 15 March 2011 Indignados demonstrations in Spain, the Occupy Wall Street movement, in a way it's the same like that. It's of course a very different reality, but it's social collectives already organizing themselves, and the political parties finding ways to link that to the political party and making them the real engine of the political party. So doing that was possible to build a majoritarian political movement that was able to say there is an alternative. Mm-hmm. It's not right that there is no alternative. Mm-hmm. And that moves when they actually took power, mm-hmm. and the very first movement they did was to try to recover state autonomy. How do they do it? basically, you know, that's the hardest part, but I found three big things. First, they organized movements to change the state, because the state had been used by the elites. So what they did was to try to open the state to these social collectives and to gain power from that. And then they were able to say no to the IMF, but of course paying the debt, but renegotiating the debt. And as you were saying first, we could ask the question, okay, how was this debt done, and we could discuss it, and then we paid, but much less, and gain autonomy. So that's very quickly. And third, they from the very beginning, they took a very bold economic redistribution policies, Keynesian or neo-Keynesian policies, so as to have better life conditions in the first years. You cannot say we are in crisis, so we will make an effort with the poor or the working class. So then, if we look at how this happens in time and in movement, we can see that crisis is a space for new ideas, we know that. But you have to be able to, number one, create a new common sense. That's a very Gramscian concept again, but it's this idea of only in a time of crisis, when the people is really angry and disappointed, discontent with the state of the things, you can open the discussion and try to create a new common sense, which is of course a long a long period of work, and it has to do a lot to of working with intellectuals in schools, in universities, with religions. You know, it's in every single position of society that you have to build this, but this is the very base. And then you have to organize the working class, the subaltern class, so as to build a momentum of power. You take power, but then the what's happening now, that we are again moving to the right in Latin America, is showing the importance of the third moment of this trend, which is the ability to re-articulate again a common sense, a social project, when you are in power, because that's not easy at all, and it has of course a lot of tensions and complexity. So we thought that this could open the discussion to what we really would like to discuss with you: what is the strategy to the left? How can the left re-articulate its project here in Europe, but across the globe? And how, if we already missed the opportunity with the 2008 financial crisis, and if there is to come a new crisis, maybe if we are getting ready for that, and how? And just let me close by quoting García Linera, which is Bolivia vice president and one of the main intellectuals in Latin America. He's saying that if revolution happens only in one country, it's just a search of time. Mm. You are searching for time towards a global trend for that, because otherwise we know it's impossible in a globalized world. Thank you very much. Thank you. Non, ça va, j'ai compris. So now there will be thank you for this presentation. Maybe you should leave it in case Muriel wants to go back to some of the slides. OK. Nous avons les moyens de vous faire parler. Ah oui, là, je suis en garde à vue, là. OK. So, tu veux répondre, réagir parce que Non, moi je vous remercie pour votre exposé toutes les deux.
Oui, c'est à vous que je parle. Yeah, non, thank you for your presentation. Parce que ça, ça me donne une idée, moi, de savoir si, si mon exposé était complètement à côté de vos pensées ou pas. Donc, je vois que ce n'est pas le cas, donc c'est rassurant. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on se rejoint, en fait. So, we have, Muriel is really reassured to see that you have lots of things in common, lots of views in common. Tu veux pas commenter un passage particulier ou non? Non, c'était non. Okay. C'est okay. À eux de rebondir. Vrai. Sinon, je vais donner une indication. C'est à eux de choisir. So, okay. So now it's time for questions, and if you want to raise one or two questions, because it was a presentation, and what do you want, Muriel, maybe to react to one or two questions, and then we'll take questions from the audience. Do you have priority questions? Like we said to the government in the French Assembly, do you have priority questions? The three questions here: what strategy for the left? How can the left rearticulate this project? And have we missed the opportunity to change once the economic and financial crisis was over? Donc peut-être ces trois questions. Quelle stratégie pour la gauche? Comment est-ce que la gauche peut réarticuler son projet? Et est-ce qu'on a manqué l'opportunité de changer l'opportunité de changement maintenant que l'économique et la crise économique et financière est finie? Alors, la stratégie pour la gauche, ça va être compliqué parce que il va falloir déjà redéfinir ce que ça veut dire être de gauche. Parce que comme les mots ont perdu leur sens, maintenant quand vous dites « je suis de gauche », ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es pour la loi travail, que tu es pour les ordonnances, que tu es pour supprimer le système d'assurance chômage, ou ça veut dire que tu es pour la redistribution des richesses, pour l'universalisme, pour mettre l'humain au centre de l'économie et de notre rapport au monde et à l'environnement. Donc il faut déjà redéfinir ce que ça veut dire être de gauche. Nous, on a vu à l'élection présidentielle, ce n'était pas gagné. On a fait une campagne clairement sur un programme de gauche qui réaffirmait ses valeurs de gauche et qui s'appelait l'avenir en commun, et ça a fonctionné. Donc ça veut dire, c'est rassurant, ça veut déjà dire qu'il est possible de reconstruire une gauche et que si on s'entend sur ce que ça veut dire et sur quel est le cadre, il y a encore une attente, une espérance chez les gens et même une envie de participer et de nous aider à remettre ces valeurs-là au pouvoir. Ok. So, in response to the first question, what strategy for the left? It will be complicated because, as we said before, the words have lost their meaning under the previous government. When you say you are left-wing, people would say, okay, you are in favor of all the horrible things that we've seen under the previous government. But still, if it means to be in favor of more income distribution, if it means that you are a universalist, if you want to put the human being at the center of the system and the center of the environment, it can work. And one of the proof is that for the presidential election, there was a program called L'Avenir en Commun, which means the future in common, and it worked quite well. Mm-hmm. Even if Mélenchon was not in the second round, but non, he got close. 19.6, c'est pas mal. Hein. 19.6% is not too bad. Non, c'est pas mal. La difficulté, après, ça va être comment on change le fonctionnement des partis et des institutions si on arrive au pouvoir. Parce qu'on se rend compte que la manière de fonctionner très verticale d'un parti, où on vous dit en haut ce que vous devez penser, et vous, vous êtes là pour tracter, pour aider, pour militer, mais pas vraiment pour échanger, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. Qu'il y a énormément de gens qui se désintéressent de la politique. À mon avis, c'est une grosse erreur, parce que pendant qu'ils font leur vie tranquille à côté, ceux qui s'y intéressent prennent le pouvoir et prennent les décisions. Hein. Mais je comprends qu'une partie des gens soient dégoûtés et disent « on se met hors société ». Quand vous ne votez plus, quand vous ne vous intéressez plus, vous vous mettez hors société. Ça arrange ceux qui décident, toujours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas dire « ce sont des imbéciles »,
Il faut dire, je comprends qu'on puisse être écœuré de ce monde-là, je comprends qu'on puisse être écœuré de voter pour des gens qui vont faire l'inverse de ce pourquoi vous les avez mis au pouvoir, qui oublient que ce ne sont pas des petits rois, mais qui sont là pour vous et par vous, par les gens qui votent. Si on arrive à changer un peu ça, c'est un peu la réflexion qu'on a eue avec la France insoumise, et c'est aussi la réflexion qu'a eue Macron avec, à la base, son mouvement, puis son parti La République En Marche, c'est comment on change le rapport des gens au pouvoir, parce que le pouvoir, ça commence à un tout petit niveau, et comment on fait pour que les partis fonctionnent différemment et donnent la place aux militants et donnent la place aux gens. On est en construction pour la France insoumise. Alors, La République En Marche a réglé le problème, ils en ont refait un parti, et ils en ont refait un parti tout aussi vertical que les autres. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à la case départ et qu'ils ont abandonné cette quête-là. Voilà. Nous, on a une convention fin novembre qui va nous permettre de réfléchir à est-ce qu'on veut devenir un parti ou pas ? Est-ce qu'on reste un mouvement tourné vers l'action ? Et comment on fait pour rester en lien avec les gens ? Ça ne peut pas passer uniquement, à mon avis, par des consultations Internet, même si ça a son importance. Et ça, c'est à nous de l'inventer. Si on réussit à redonner du sens et de la place et toute leur place aux gens, comment on choisit nos porte-paroles, etc., comment chacun peut prendre sa place, et qu'on ne trahit pas nos valeurs par nos actes. Parce que là, on a eu des élus, donc on va voir, est-ce qu'on trahit ou est-ce qu'on ne trahit pas. Et je pense que si on réussit ça, on peut reconstruire une gauche nouvelle, une gauche qui se renouvellera aussi au niveau des idées, de la manière de faire campagne, parce que les gens ont des choses à nous apporter. Okay, a key question is if we come to power, how to change the political party and how to change the institution, because this kind of vertical power doesn't work anymore, especially inside of the parties. People are fed up, they are disgusted, so they go to the streets and, you know, they go to people. And people are disgusted about that, and many of them choose to be out of the society, to disinvest in that. And it's a very good thing for the people who decide, because it gives them more power. So, something in common that France Insoumise, which is a left-wing movement to which Muriel belongs, and the party of Macron, the movement of Macron initially, which is called La République En Marche, the republic in walking, in some kind of way, is how to change the kind of relationship that people have with the party, that the people have with the party. So for the République En Marche, the problem has been solved. So they have become a regular party, and so they have become a party like the others, very vertical again, same old thing in a new bottle, right? Mm. Same old wine in a new bottle. And for France Insoumise, there will be a convention at the end of November. And one of the questions that will be raised is whether it should be a party or whether it has to remain a movement, like Podemos, you know, a movement turned to action, how to stay connected to the people. And that cannot only be through consultations through the internet. So it demands more than that. And also how you don't betray your own value, how you translate this value into action. Je crois qu'en réalité, non seulement la gauche n'est pas morte, mais elle a historiquement tout son sens à un moment où on est à la croisée des chemins, à un moment où le capitalisme est en train de s'effondrer. Si on le laisse faire, on va arriver dans une société où ce sera le moins 10 ans, où les gens seront un peu considérés comme des sous-hommes, où on vous dira, ben voilà, écoutez, vous travaillez pour 1000 euros, c'est embêtant parce que la personne d'à côté, elle fait le même travail pour 400. Voilà. Et si on accepte ce système-là, ça veut dire qu'il y a en place une déshumanisation et vous avez des inégalités qui se creusent déjà et qui vont continuer à se creuser. Et vous avez une donnée que les gens qui gouvernent ont du mal à prendre en compte parce qu'ils ont une vision à très court terme.
Avant, un homme d'État, ça avait une vision pour le pays, ça avait une vision pour un projet de société, pour le moyen terme, pour le long terme. On avait une ligne directrice. Maintenant, c'est eux. Voilà. Donc, c'est comment je vais gagner le plus d'argent tout de suite et qu'est-ce que je vais faire pendant 5 ans, parce que 5 ans, c'est la durée de mon élection. Après moi, le déluge. Et l'environnement, l'urgence climatique. On va avoir des réfugiés climatiques qui ne seront pas uniquement politiques, en partie dû aux guerres auxquelles on a contribué d'ailleurs, hein, parce qu'on n'est pas blanc comme neige là-dedans. Et un jour aussi, il faudra réfléchir à tout ça, à la géopolitique et à la place de la France dans la géopolitique. Ça veut dire que les valeurs de gauche, elles vont être nécessaires parce qu'on va arriver à un système à bout de souffle, économiquement, socialement et au niveau de l'environnement. Qu'est-ce qui est en train de se développer? Vous en avez parlé un petit peu dans les pays en ce moment. C'est le populisme. C'est le populisme et c'est, dans beaucoup de pays, le racisme, le rejet de l'autre qui monte. Pourquoi? Parce que quand vous avez peur, quand vous n'avez pas comment vous allez construire votre vie, quand vous n'avez pas de boulot, alors c'est facile de dire ça. Et tous ceux qui n'ont pas de boulot ne sont pas racistes, et heureusement. Mais quand vous êtes dans une situation comme ça d'insécurité, vous redevenez en partie des animaux, parce que nous sommes aussi des animaux. Et vous avez des réflexes de peur qui reviennent en vous, et vous pouvez vous laisser séduire par des théories de rejet, par des théories de haine, parce que vous vous dites au moins comme ça, si on reste entre nous, on sera protégé. Voilà. Et c'est pour ça que chez nous, vous avez le Front National, qui est un parti raciste, hein, xénophobe d'extrême droite, qui fait un excellent score. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on ne peut plus se contenter de dire aux gens, voilà, on vous apporte la vérité absolue, voilà notre programme, je suis de gauche, la gauche c'est bien, maintenant allez-y. Allez faire les prophètes et allez voir les gens pour leur dire c'est bien. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que les gens ont déjà vu des gens arriver au pouvoir en se disant de gauche et en faisant à certains endroits une politique catastrophique. Et les gens ne croient plus. Mais c'est très bien. Moi, je suis très contente de ça. Mais quelles leçons il faut en tirer pour reconstruire la gauche? D'abord, c'était Lénine hein, qui disait « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, il faut accepter que les élus soient contrôlés. Il faut accepter de rendre des comptes, de faire des comptes rendus de mandat, que les gens puissent vous interpeller en disant « cet amendement, quelle était sa signification ? Ton vote, qu'est-ce que ça voulait dire ?» Voilà. Les gens ont besoin de ce retour. Les gens ont besoin d'être inclus dans l'élaboration du projet. Et moi, j'attends le jour où les gens deviendront acteurs, où les gens casseront ce déterminisme social qui vous fait penser que vous êtes trop nul. Vous êtes trop nul pour comprendre ce qu'on est en train de vous expliquer. Nous, on sait. Nous, on a fait des grandes études. Hein. Nous, on vient de la haute société, on a de l'éducation, et on sait ce qui est bon pour vous, et on va vous l'expliquer. Et souvent, les gens se disent, ouais, peut-être qu'ils savent, peut-être que moi, je ne saurais pas parler devant une salle, peut-être que moi, je n'ai pas les mots, peut-être que ce que je pense, effectivement, c'est nul. Voilà. Et moi, franchement, je vous dis, et je dis à tout le monde, prenez les clés. S'il y a une seule chance que des idées humanistes, alors on appelle ça des idées de gauche, mais des idées humanistes, des idées d'un autre rapport au monde, à la société, à l'environnement, si on veut que ces idées-là arrivent au pouvoir, c'est maintenant que ça va se passer parce qu'on est à la croisée des chemins, c'est maintenant qu'on est en train de construire ça, il faut que vous disiez, ok, qu'est-ce que je choisis? Quelle est ma place? Il faut que vous soyez sûr d'un truc, c'est que ce que vous pensez n'est pas plus idiot que ce que les autres pensent. Il faut prendre les clés. Combien il y a de médecins à l'Assemblée nationale? Combien il y a de cadres supérieurs à l'Assemblée nationale? Combien il y a de gens qui, avant d'être élus députés, moi j'étais 1400 euros net par mois sur 13 mois, hein? Ok. Combien il y avait de gens comme ça? Il faut réfléchir aussi, au niveau des institutions, à limiter les mandats. Pas plus de 2 mandats. Il faut un statut de l'élu. Parce que si vous savez que quand vous êtes élu, vous allez retrouver votre travail après, vous ne prenez pas les mêmes décisions. Quand vous savez qu'après, vous allez vous asseoir à côté de votre collègue, ok, et qu'on va vous redonner des ordres comme avant, et que les collègues vont vous dire « qu'est-ce que tu as voté là? C'était quoi ça ?» Ce n'est pas pareil que quand vous dites « ça devient une carrière, je vais en vivre, et pour en vivre, eh ben, je vais aller là où il y a de la place et là où on me prendra. » C'est pour ça que vous avez des gens qui changent d'idée tous les 5 ans, tous les 10 ans, parce que c'est devenu leur métier. Ça, il faut casser ça. Et la seule manière de casser ça, c'est que des gens comme vous
prennent les clés, y aillent et disent « Ok, moi aussi j'ai des choses à apporter et moi aussi mes idées peuvent avoir du sens. » Oh, lots of stuff. Okay. So the left wing is not dead, and it's even better than that. It has never been more meaningful than today, with the collapse of the capitalist system, with the race to the bottom. Okay, when people say to you, okay, you used to earn 1,000 euro a month. And I have somebody who is able to do the same job for 400 euros. It's more than ever time that we change things. We are in a situation in a government where we have people who only think what they are going to do over the next 5 years. And while before, the statesperson had to have a vision for the medium and the long run. We have many emergencies, the climate change, with the climate refugees, we'll have more and more climate refugees. We'll also need to have a debate on geopolitics and the influence that the war that we started have had on the refugees, etc. So the system is on the verge of collapse. It's coming to an end. And it's a catastrophe from an economic point of view, from an ecological point of view, etc. We have a race, as you were saying, in populism, right-wing populism, racism, of fear of unemployment, and this kind of things allow these people the kind of environment in which we are, with fear, with unemployment, allow these people to surf on our reflex from our animal side of fear. And therefore one can understand that these theories of rejecting people work, because if we stay together, we'll be protected. That is a false idea, supported by many far-right parties like the Front National in France. So one cannot say, keep on saying like before, okay, I'm left-wing, and being left-wing is great, so vote for me. That doesn't work anymore, and Muriel thinks that this is a very good thing, that it doesn't work anymore, because people don't believe in that anymore, simply. So Lenin used to say that trust shouldn't exclude control, and Muriel agrees to that. People need to become actors again. People need to break the social determinism. People need to stop agreeing to the speech of the elites. The elites say all the time, you are worth nothing, we know what is good for you. And the message is to take the keys, and if we want the humanist ideas to come into power, it's now. Look at the National Assembly, how many people are coming from the upper classes, how many people are doctors and so on, and how many people like Muriel do you have? Muriel used to earn 1,400 euros a month. So how many people like this do you have in the National Assembly? We need more of these people. We need also regulations on the how long they can be elected, no more than 2 mandates. Because going through a political career where you only do that, where it's become your job, explains that every 5 people, you have people who change their camps and so on. And it's a different thing if you are limited to 2 mandates, because it will mean that you will go back into your job, sit next to your colleague, and your colleague will ask, okay, what have you done? Why did you vote for this? Why did you bring about the change in the law? And so on. So it's very different when you know that you have to go back to work, and when you do a career out of your political power. Après, une question, c'était, est-ce qu'on a raté quelque chose au moment de la crise financière?
Peut-être. Moi, je crois que ça ne, les luttes sociales et la prise de conscience des gens ne se décrètent pas. Des fois, il se passe des choses énormes. Moi, des fois, je vois à l'Assemblée des lois arriver et je me dis, c'est énorme. Les gens vont réagir. Il va y avoir, les gens devraient être dans la rue, les gens devraient être en grève générale, les gens devraient être fous de rage. Et rien. Et rien, ou alors une petite manif. Parce que les gens, d'abord, en prennent plein la figure. Et à force de recevoir des coups, au bout d'un moment, vous mettez un moment à rebondir. Hein, c'est compliqué. Plus vous prenez de coups, plus c'est difficile. On croit qu'on s'habitue. Oui, on s'habitue, mais ça met les gens un peu... ils sont anesthésiés et ils mettent du temps à réagir, ils mettent du temps à aller vers l'action collective. Il y a aussi le fait qu'on est dans une société extrêmement individuelle, où on n'a plus l'habitude de faire des choses ensemble, de manière collective. Alors aller dans la rue ensemble, résister ensemble, c'est compliqué pour les gens. Voilà, il faut réapprendre ça. La seule solution qu'on a en réalité, d'abord c'est d'être sincère, parce que ça se voit. Les gens ne sont pas complètement idiots, ils en ont marre d'être baratinés. Si vous ne croyez pas ce que vous disiez, ok, vous dégagez. Donc il faut être sincère, il faut être patient, parce que vous avez deux solutions. Vous avez soit la solution qui est de faire appel à l'affectif des gens, la solution du populisme. Enfin, je veux dire, il faut être clair, notamment du populisme de droite. Et vous avez la solution qui consiste à dire on va toucher les cerveaux et les cœurs. Pourquoi les cerveaux et les cœurs? Parce que ça veut dire qu'on va conscientiser les gens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, qu'on va tout leur apprendre. Ça veut dire qu'on va leur donner les moyens de se former intellectuellement et qu'on va leur dire formez-vous, réfléchissez, lisez, apprenez et apprenez à vous faire votre propre opinion par vous-même, à ne pas digérer des trucs déjà tout faits. Le cerveau, c'est un muscle. Alors, au début, ça peut faire un peu drôle, mais on s'habitue. On arrive très bien à réfléchir plusieurs heures dans une journée. Tout le monde peut le faire. Il faut s'entraîner un peu, mais c'est à la portée de n'importe qui. Voilà. Ça, c'est important. Parce qu'à partir du moment où on fait appel au cerveau des gens et à leur cœur, pourquoi leur cœur? Parce qu'on ne veut pas fabriquer des gens froids, sans affect, et qui pensent qu'au pognon et à comment ils vont pouvoir vous zigouiller pour prendre votre place. On veut fabriquer des gens qui soient intelligents, qui soient conscients et qui soient humains, et qui gardent des valeurs qui sont de gauche et qui sont des valeurs d'ouverture, qui sont des valeurs d'accueil et qui sont des valeurs humanistes et universalistes. Voilà. Alors ça prend un peu de temps, mais c'est l'éducation, c'est la formation, développer des formations, développer autour de vous des écoutes collectives, de débats, de films, de n'importe quoi où vous pouvez après embrayer sur une discussion et priorité au contact humain, c'est-à-dire à ce qui se passe dans la vraie vie où vous voyez des corps, où vous voyez des visages et vous pouvez interagir. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus vrai que des trucs par le biais d'Internet où les gens sont loin et ne se voient pas. On ne choisit pas le moment où les gens vont être exaspérés ou vont se révolter. Mais on ne choisit pas non plus la manière dont ils vont le faire. Parce que ce qu'on est sûr, c'est qu'ils vont le faire. Ça se répète à chaque fois dans l'histoire. Pourquoi je dis on ne choisit pas la manière dont ils vont le faire? Parce que ça, c'est un message que j'adresse à ceux qui nous dirigent et qui sont si arrogants, si sûrs d'eux, et qui croient qu'on va bien toujours baisser la tête comme il faut. Quand des gens ont des armes légales pour protester en démocratie, chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez faire ce que je fais, dire je ne suis pas d'accord avec ce que fait le gouvernement. Je n'ai pas pris une balle dans la tête pour l'instant, je peux le dire, je peux le faire. Vous pouvez manifester dans la rue, vous pouvez faire grève, vous pouvez occuper votre entreprise, vous pouvez faire un peu de boycott, ce genre de choses, des trucs un peu, voilà. Vous pouvez le faire. Ça, ce sont des armes légales. Mais quand les gens font ça, par exemple contre la loi El Khomri, plus d'un million de personnes dans la rue, et qu'en face, vous avez des gens qui leur disent « vous ne voulez pas qu'on casse le code du travail ?» Vous manifestez, vous êtes un million dans la rue. Je dis un million parce qu'en France, c'était le chiffre symbolique. À partir du moment où il y avait un million de personnes dans la rue, on retirait sa copie. On disait, ok, là c'est trop, il faut arrêter. Parce qu'on était quand même un peu respectueux du peuple. Voilà. Maintenant, on dit aux gens, vous n'en voulez pas, on va le faire quand même. On va le faire quand même parce qu'on a le 49-3. Six fois le 49-3, hein, Monsieur Valls. Et maintenant, on a les ordonnances. Quel est le message que vous envoyez aux gens? Vous leur dites, les protestations légales, républicaines et démocratiques, on s'assoit dessus, on les piétine.
Et là, je trouve que c'est dangereux. Alors, j'encourage pas les gens à aller vers l'illégalité, mais je dis à ceux qui sont au pouvoir, faites attention. Quel message vous envoyez aux gens avec votre mépris? C'est très dangereux de mépriser les gens. Alors, il faut que les gens soient plus intelligents que ça, parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils veulent. C'est que vous sortiez, que vous cramiez tout. Comme ça, on vous prend, dangereux activiste. Hop, vous êtes fiché, vous êtes en prison, on n'en parle plus, vous perdez toute votre crédibilité. Voilà. Mais ça veut dire qu'on va être dans un système qui va se durcir, qu'on sait qu'il y aura d'autres bulles financières, qu'on sait qu'il y aura encore des gens qui vont être jetés dans la misère de manière immédiate et effroyable, qu'on sait qu'il y aura des révoltes. Et à ce moment-là, en attendant, on travaille. On fait passer nos idées, on essaye d'être présent dans les luttes, d'aider les gens partout où on peut, parce que ça se passe ici et maintenant. Et quand vous aidez une ou deux personnes, ben vous changez la vie d'une ou deux personnes, ben c'est déjà ça de prix. Il faut le prendre. Et en même temps, il faut travailler à faire en sorte que les gens s'enrichissent intellectuellement et gardent aussi cette capacité d'aller vers les autres, de se parler, sans voir l'autre comme un ennemi. Quand quelqu'un vient vers vous dans la rue, c'est pas toujours un taré qui veut vous violer, qui veut vous tuer ou qui veut prendre votre argent. Ça peut être un être humain qui est perdu, qui veut vous parler, pour une raison ou pour une autre. Il faut garder en nous cette façon d'être un être humain ouvert, entier, sans se faire manipuler et sans qu'on vous télécommande. Voilà. Il faut sortir de cet état d'esprit-là. Et quand la révolte après se présentera, bien sûr, il faut être avec ceux qui luttent. Toujours, hein, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Hein, c'est Victor Hugo. Voilà, je finirai là-dessus. Ok. Ceux qui vivent... Ce sont ceux qui luttent. Bon, tu me rediras ça à la fin, ça fait beaucoup. Non, tu la connais pas. Et après, non, je ne la connaissais pas, celle-là. Je connaissais Spinoza, mais pas... Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ah bah oui. So, did we miss something? So, last remark, and then I will take three questions no more, because we need to finish at five. Did we miss something with the financial crisis? Maybe. But the social struggle cannot be decided, okay? You cannot just say, oh, the social struggle happens now. You just don't decide when it will happen. So sometimes when you are in the parliament, you see laws coming and you think, oh, wow, this is too big. People will get, there will be a revolt against this law and nothing happens. And people get, you know, get more and more. They get knocked, and they get used to it. And sometimes people, it takes time for people to go to the collective action to organize something. So people need to reopen, to not reopen. They need to learn again how to go to the streets and to demonstrate. In the current situation, there are two solutions. The first solution is to appeal to the instincts of people, to their affects. And this is the solution proposed by right-wing populism, so the right-wing populism that you were pointing in the presentation. And the other way to tackle this issue is to speak to their brains and their hearts. That is to allow them to become conscious, to become aware of the situation, to give them the means to train themselves, so to read, to have their own opinion that they will build by themselves. So this is for the brain, and as for the heart, we need to help people to be intelligent, but also conscious and human and open with the left-wing value. It goes through education, it goes through training, it goes through debates organized, for example, around a movie. It could be a good starting point when you can do that, you organize a debate. And you should, one important thing for Muriel is that you should prioritize human contacts over the contacts over the internet. So
to answer this question, you don't choose how and when people will revolt, but the revolt will happen. The revolt will happen, and what can we do in the meantime? You can organize demonstration, decide to boycott some companies. You can decide to occupy one firm. These are legal weapons. And up to recently, in France, when you had more than 1 million people in the street, a government would withdraw a project. Now it's over. It started under the previous government with the reform of the labor law called Loi El Khomri. We had 1 million people in the street, and what have we seen? We have seen a government that uses an article of constitution, is 49.3, which allows you to force the law parliament. Without the consent of the parliament. They use it 6 times. So Muriel and you are now under Macron, we had these ordinances that we were discussing before, and that is very dangerous, because it means that the government, that the people, the elites, are making things, are taking decisions without the democratic consent, and they are becoming indifferent to the legal weapons. They are becoming indifferent to the legal weapon, and what kind of message do they send to the people when they despise them? So what can we do up to the moment when the revolt will happen? We can try to work to change the life of some people around us. Garder, j'avais noté, d'être humain. Un être humain entier. La force d'être, qu'est-ce que tu as marqué ? L'acteur ? Oui, un humain entier. Mm. Okay. So, and the last thing will be a citation by Victor Hugo, which is, those who live, ceux qui vivent, sont ceux qui luttent. Those who live are those who fight. Okay? So we'll take only 3 or 4 questions, because it's already 20 to 5. So, please go straight to the point, okay? One, two, three, four, five. And then, on prend la vague ou on les fait les unes après les autres? Comment? On prend la vague ou on les fait les unes après les autres? Comme tu veux. Okay, on prend la vague. Okay, we'll take the wave of questions. This will be the only questions. Don't forget to introduce yourself, your country. Yes, sir. My name is Akande Emmanuel. I'm from Nigeria. Mm-hmm. I would like to ask if the president of France, mm-hmm, has the autonomous jurisdiction to reduce the number of the member of the National Assembly. Then I also want to know your perspective on how to increase participatory democracy. That is the intensity of how the people are brought along, okay, in the decision process. Okay. Donc est-ce que Macron peut ça aller? Est-ce que Macron peut décider à lui tout seul? Et puis comment on fait pour intensifier la démocratie? Is it working? It's okay. Okay. I'm Thiago from Brazil. You said it, and also in the end now, about how the president has the power of enforcing some laws over the parliament. I wanted to better understand how does the political system works here, like at the there's no balance of powers. Like, does the parliament doesn't have any measure or to contest, or is the case that the parliament also agrees with the? So it's not like just the president that wants to put forward this change in the labor law, and also the parliament supports it. And also about the last change in the labor.
labor reforms. I want you to talk about like the how was the manifestations of the population in the syndicates, and if it wasn't strong enough, or is their power in the past years are getting lower in the system. Okay, there were three more questions. Okay, one, two, three, and then we'll end with Ryan. I'm Ettore from Italy. Yeah. So regarding the starting from the quotation of Gramsci, it was in the presentation. Wow. The second part of that quotation from Gramsci is that in the crisis also a variety of morbid symptoms arise. Mm-hmm. So don't you think that the left will still be one of these morbid symptoms if it doesn't question from the roots the construction of the European Union as a tool of class struggle from above? And so, I mean, to be agent of the history today, should we try to break down European Union? I'm Kasper from the Netherlands. You've talked about how Mr. Macron is trying to gather more power and about administrative and democratic reform. In the presidential elections, Jean-Luc Mélenchon and Benoît Hamon have proposed a sixth republic. Could you maybe tell us some more about how what the difference is between these plans and Mr. Macron's plans? Mm-hmm. Thank you for your presentation. I'm Ryan from Ireland. Coming from Ireland, as such, I don't necessarily have the most full knowledge of the French political system and its ailments at current. So I wanted to ask, firstly, you mentioned at one point that 20% of people in France don't have access to healthcare or something along these lines. I just thought you might if I could expand on that, how exactly that happens. Secondly, a question that I find quite interesting is for those of us on the left, how we can see or how we can prioritize, caring for the poor within our own countries. With the greater objective of caring for the poor around the world. So I just wanted to hear some thoughts on that, perhaps. Okay. So good luck, because we only have 20 minutes at the most to answer all these questions. So. Reformule-moi la dernière. So the last question was about... Je raconte ce qui s'était passé en France. So how come in 20... comment se fait-il qu'il y a 20% de la population qui n'a pas accès aux soins médicaux? Ouais. And the second question was about... Comment on peut réconcilier socialisme dans un pays et socialisme au plan mondial? Okay. So lots of interesting questions. And we have only 20 minutes. I'm more sorry about this, but the translation is the first time that we tried that. And believe me, it's not an easy one. Alors la première question, si j'ai mal compris, vous n'hésitez pas à me dire t'es à côté de la plaque, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. So if you think Muriel has not understood properly, don't hesitate. No, that's not to say no. I wanted to say something else, right? Ah. Okay. Donc si j'ai bien compris, c'était comment Macron fait pour décider tout seul et comment on fait pour faire revenir la démocratie. Fonctionnement démocratique, c'était ça? So the first question was how Macron does to decide on his own, and how do we put more democracy? How we put democracy back? Was it that the meaning? Yeah, est-ce que Macron, à lui tout seul, peut décider de réduire le nombre de députés? D'accord. Alors en fait, Macron bénéficie d'institutions qui sont assez favorables à ce qu'une personne, et notamment un président, décide tout seul.
c'est la Ve République. La Ve République, elle a été faite pour un homme dans une situation particulière, le général de Gaulle. Voilà. À une période où on avait besoin de quelqu'un qui a la poigne, qui puisse se décider vite, et seul, ça ne posait pas trop de problèmes, parce que c'était considéré, il était considéré, le général de Gaulle, comme quelqu'un de sage, quelqu'un qui avait en grande partie participé à ce que la France, alors qu'elle s'était fait vaincre, hein, d'abord par les Allemands, qu'elle avait été occupée et qu'elle avait servi avec zèle le régime nazi, entre aussi en résistance et finisse par gagner avec les Alliés et donc soit reconnu comme un pays qui a résisté. Et ça, on le doit. Alors évidemment, pas qu'au général de Gaulle. Il y a des tas de gens qui ont résisté, il y a des communistes, etc., d'autres gens, et qui sont morts. Mais il a incarné en grande partie cette résistance-là. Et donc, il était un peu vénéré par les gens. Et les gens ont accepté que pour lui, on mette en place un système qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir au président. Voilà. Après, on a modifié un peu la Constitution, mais on ne l'a pas changée fondamentalement. Et là, on a effectivement une Ve République qui permet au président de faire énormément de choses. Alors évidemment, déclarer une guerre, hein, sans consulter le Parlement s'il y a urgence, qui permet de gouverner avec l'article 49.3 ou les ordonnances qui permettent de se passer de l'avis du Parlement. Alors, le Parlement, c'est le Sénat et les députés. Et clairement, oui, c'est un pouvoir qui peut paraître surdimensionné, que je trouve personnellement surdimensionné. C'est pour ça que nous, on est pour une Sixième République, mais on en parlera après parce que c'était une des questions. Est-ce qu'il peut décider de tout seul ? Non. Mais en réalité, presque. Parce qu'il a la majorité, il a une majorité, je veux dire, écrasante aussi de nombre de députés. En France, depuis quelque temps, les élections législatives, c'est-à-dire des députés, sont juste après les élections présidentielles. Donc souvent, vous avez un effet écrasant de vague qui fait que le président se retrouve avec une très très forte majorité de députés. Et donc en réalité, en face, vous avez l'opposition. Alors là, actuellement, il y a l'opposition de droite, vous avez les Républicains, vous avez les constructifs. Alors les constructifs, ils ont quand même envie de construire avec Macron. Donc ils sont dans l'opposition pour certaines choses et pas pour d'autres. Et puis vous avez, ne ris pas, c'est vrai, et vous avez l'opposition de gauche, à savoir la France insoumise, dont je fais partie, on est 17, et les communistes. Voilà. Sur 577 députés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lui, il va arriver avec une loi, nous, on va être contre, okay, les communistes aussi, des fois les républicains aussi, mais comme ils ont la majorité écrasante, on va prendre notre temps de parole pour expliquer pourquoi on est contre, ils vont nous écouter, en s'endormant un peu, et puis ils vont voter. Et comme ils sont majoritaires, ben, ils votent pour. Alors des fois, ils se trompent. Une fois, ils se sont trompés, ils ont voté la mauvaise chose. Bon, c'est arrivé une fois. Une fois, c'est pareil. Du coup, il y a eu une suspension de séance, le gouvernement a refait un amendement, sinon ça faisait tomber une partie du budget. Bon, parce que c'est des gens qui n'ont pas toujours fait de la politique, c'est des gens qui sont habitués à voter en cadence. Ah, c'est impressionnant quand vous avez les questions au gouvernement. Cela fout en délire, hein. Ils se lèvent, ils applaudissent, ils votent. Bon, et des fois, ils se trompent. Alors je me dis toujours que peut-être ils se tromperont sur un truc qui nous arrangera, donc il faut continuer à proposer. Mais plus sérieusement, ça veut dire qu'il a la main, ils ont la main pour appliquer une politique, même si les gens n'en veulent pas. Il peut se permettre d'oublier qu'il a été élu par des gens qui en priorité ne voulaient pas le Front National, ne voulaient pas des idées racistes au pouvoir, et que c'est pour ça qu'il a été élu. Il peut se permettre de l'oublier, de décider tout ce qu'il veut. La seule chose qui peut le lui rappeler, c'est la rue. C'est que les gens descendent dans la rue et disent « Stop, arrête, c'est pas pour ça qu'on t'a élu ». Mais actuellement, oui, il a les moyens. Alors, quelle est la solution ? C'est une solution de revenir à plus de démocratie. Ça rejoint la Sixième République. Ça veut dire qu'il faut changer les institutions, que les institutions, maintenant, on a un point où ça ne fonctionne plus. Il y a une abstention absolument délirante et qui n'est pas prête de s'arrêter. Vous avez des quartiers
Je vois chez moi à Montpellier, vous avez des quartiers où dans certains bureaux de vote, 4% des gens vont voter. 4% des gens. Donc, moi, je suis par exemple pour qu'on rende le vote obligatoire. Qu'on rende le vote obligatoire, mais qu'en échange, les élus, un statut de l'élu, c'est-à-dire tu retrouves ton travail à la fin du mandat, il y a une limitation des mandats, et dans le fait de les cumuler, d'en avoir plusieurs, et dans la durée, de maxi, parce qu'après vous retournez à la vie normale, et il y aura beaucoup plus de gens qui auront à se frotter avec les réalités politiques, et évidemment une sixième république, mais une sixième république, c'est la différence entre Benoît Hamon et nous, c'est que nous on voudrait qu'elle soit faite par les gens, que les gens y réfléchissent, que ce ne soit pas juste 10 ou 15 élites spécialistes en droit constitutionnel qui l'élaborent, que les gens y participent. Et qui mettent en place toute une série de mesures. On a la révocabilité des élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la moitié du mandat, si un certain pourcentage de gens, par exemple, qui m'ont élu, ne me veulent plus, eh bien, ils peuvent dire, voilà, on est un certain pourcent, on a fait cette pétition, on trouve que tu n'as pas respecté ce pourquoi on t'avait élu, on ne te veut plus. Voilà. Et ça repasserait par un autre petit système de vote ou quoi. Et si à mi-mandat, vous n'avez pas satisfait... Alors, mi-mandat, parce qu'il faut quand même un moment... pour faire ses marques et pour avoir le temps de faire les choses. Voilà. Et ça, ça peut être une solution. Savoir qu'un élu, il est là pour une durée déterminée, qu'il doit rendre des comptes. Voilà. C'est une manière de revoir complètement nos institutions. Bon, il est 17h. Alors, je vais répondre quand même sur la santé. Donc, après, attends, oui, sur la santé. Je vais déjà retranscrire ce que tu as dit. Yes. In answer to your question, Macron has the power to do whatever he wants. And one of the reasons for this is the Fifth Republic in France that gives lots of power to the French president. And this constitution has been made for one man, the General de Gaulle. General de Gaulle who was considered as being wise, who has represented with others, but who was one of the figures of the resistance to the Nazi occupation. So he was worshipped by the people, so they accepted this very special constitution that gives a lot of power to the president, who can do a lot of things. For example, the ordinances that we had on labor law, he can decide. If the parliament says, okay, you can decide alone, he can just decide to rewrite the labor law. He can decide to bypass the will of the political assembly that has been done under the previous government for the labor law. Of course, he can start a war. And that's the reason why people of France Insoumise, amongst others, are for the Sixth Republic, so to change this kind of regime. But even without this kind of power, what happens in France now is that we elect our member of parliament just after the presidential election. So what usually happens is that the president that gets elected has a vast majority in the National Assembly, and the opposition is a minority. So in the opposition, you have the right-wing party, Les Républicains. Among them, you have the constructivists who sometimes vote with Macron, sometimes vote against Macron. And you have the left, where you have France Insoumise and the communists. But even with this opposition, they speak, the opposition speaks, and they have the vast majority, so they decide whatever they want at the end of the day. And sometimes they even make the wrong decision, so they don't know what they are voting about. They vote no, they should have voted yes, so it's a disaster. We have a lot of mess with this new assembly. Yeah. Sometimes they vote no, and sometimes it's funny to see that. And so the thing is that with this institutional background, the president basically can do whatever he wants. He can even afford to forget what he has been elected for. Macron has been elected because people didn't want the far right to come to power. They didn't want Marine Le Pen. But we are in a dangerous situation.
in some places where you vote. For example, near Montpellier, in some places, only 4% of the people have voted in some places. So we need to change the constitution. For example, Muriel, but also the whole France Insoumise, I think, are in favor of the fact that the vote should be compulsory. But in return, you will have a limited number of mandates, no more than two, and you cannot combine many mandates, for example, mayor or and member of parliament and so on. Yes, when people are not happy about something, the white ballot should be recognized and counted, which is not the case in France. And at the middle of the mandate, people should be allowed to say, okay, you have not respected, but we have said, so you go out. And part of the solution is the Sixth Republic. But the difference between Benoît Hamon and France Insoumise is that France Insoumise won people to write his new constitution, while Benoît Hamon wants his new constitution to be decided by some elites and specialists of the law. La seule possibilité en réalité qu'a le Parlement, c'est ce qu'on appelle la motion de censure. C'est-à-dire que si on atteint un certain nombre de parlementaires, c'est 58 de mémoire ? Je sais plus. Parlementaires, on peut déposer une motion de censure. Voilà. C'est très rare que 58 parlementaires arrivent à se mettre d'accord pour déposer ça. Quand il y avait, par exemple, quand Hollande a proposé la déchéance de nationalité, ce qui a choqué énormément de monde, les frondeurs, c'est-à-dire les gens qui étaient de son parti, mais qui quand même étaient restés un peu de gauche et qui trouvaient que ça allait trop loin, ont essayé de déposer une motion de censure. Alors il en manquait toujours un ou deux, et ce n'était jamais les mêmes. Donc en réalité, il y avait des pressions sur les députés qui voulaient déposer des motions de censure, voilà. Mais ça reste une possibilité. Nous, à l'heure actuelle, hélas, on n'est pas assez nombreux. Donc on aurait besoin des communistes, ça ce serait pas un problème, mais aussi de certains socialistes, voilà. Il faudra que des gens s'associent avec nous. So the only possibility that you have under the previous law is the possibility of a censorship. So you need 58 members of parliament who are able, who are willing to vote that. Under the previous government, there were always two or three of them missing. Some socialist people who were upset about Hollande's policy, but not always the same, depending on the topic. So it's really hard to obtain these 58 people. Il y avait une question sur l'accès aux soins. Sur comment, qui c'est qui l'avait posé ça? L'accès aux soins. Who raised the issue of healthcare? It was you, right? Yeah. Comment ça se fait qu'en France, 20% des gens renoncent à des soins? Ça, c'est le chiffre officiel. Donc si c'est le chiffre officiel, c'est à minima, donc on en est sûr de ça. En fait, c'est facile en France, vous avez énormément de gens qui ont des petits salaires, hein, qui ont ce qu'on appelle le SMIC, alors quand vous vivez avec moins de 1200 euros net par mois, que vous avez le prix des loyers pour vous loger, qui est, je ne parle pas de Paris, parce qu'à Paris, quand vous êtes au SMIC, je ne sais pas comment, je sais pas comment on fait, colocation ou ailleurs dans la banlieue, déjà, les trois quarts de votre argent passent dans le loyer. Voilà. Après, il faut manger un petit peu, et puis les gens quand même aiment bien avoir la télé, Internet, donc ils payent l'abonnement et le téléphone. Voilà. Même si ça a baissé, vous êtes au taquet déjà. Voilà. Après, ça veut dire quand vous gagnez ça, et beaucoup de gens gagnent ça, vous êtes au-dessus de l'accès à la CMU-C. La CMU-C, qu'est-ce que c'est? C'est la couverture universelle maladie complémentaire qui vous permet, pour les gens qui n'ont pas accès aux mutuelles, d'avoir une mutuelle. L'État vous paye une mutuelle. C'est génial, mais il faut vraiment gagner pas beaucoup d'argent, et beaucoup de gens, même en étant travailleurs pauvres, dépassent ça. Donc après, les gens, ben, ils font un choix. Les gens font un choix. Là, il y avait le tiers payant qui a été mis en place, mais très peu de temps. Ça voulait dire que vous n'avanciez plus de l'argent quand vous alliez chez le médecin. À partir du 30 novembre, c'est fini. Ils viennent de voter que finalement, il n'y avait pas de raison que ce soit obligatoire.
quand vous avez un petit salaire, qu'il vous faut sortir 25 euros pour aller chez le médecin. 25 euros, c'est souvent le budget alimentation d'une personne. Je dis pour une semaine, je suis gentille. Voilà. Donc ça veut dire que les gens doivent choisir. Est-ce que je mange cette semaine ou est-ce que je vais chez le médecin ? Voilà. Après, vous avez les soins qui sont très mal remboursés, c'est-à-dire les dents, c'est-à-dire les lunettes, ça, qui ne sont pas remboursés totalement. Énormément de gens n'ont pas de mutuelle en France, ça augmente. De plus en plus de gens n'ont pas de mutuelle. Donc non que les remboursements de l'État et qui diminuent. Donc les gens se disent, ben ok, par exemple, je dois acheter des lunettes, ben je vais garder la même monture et puis les verres, je vais les garder une année de plus, puis on verra. J'ai une dent qu'il faut arracher. Ok, une couronne, c'est 500, entre 300 et 600 euros, selon vous la faites. En moyenne, c'est dans les 450. Ou alors, vous avez un implant. Un implant, c'est 1500 euros. Encore, c'est les prix bas que je vous donne. Voilà. Bon, ben, il y a des gens qui gardent un trou dans la bouche. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas sortir 500 ou 600 euros, parce que 500 ou 600 euros, ça peut être plus d'une semaine de salaire. Voilà. Et quand vous n'avez pas la mutuelle, et c'est la perversité du système actuel, et c'est pour ça qu'ils vont arriver à changer de système, c'est-à-dire que si vous développez de plus en plus la part des mutuelles, c'est-à-dire la part privée que les gens devront payer, les gens ne pourront plus se soigner. Et déjà, on est à 20%. Alors après, on a encore la chance, ou quand c'est vraiment des choses graves, des opérations, etc., qui sont importantes, c'est pris en charge. C'est l'affection longue durée, ce genre de choses. Tout ce qui est grave est pris en charge. Mais vous avez énormément de choses qui ne sont pas considérées comme graves. Si je n'ai pas de lunettes, je vous vois flou. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Bon. Si j'ai un trou à la dent du fond, est-ce que c'est grave ? Moi, j'ai eu un jour une conversation avec une de mes chefs qui me disait, mais vous comprenez aussi, les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils ne sont pas obligés d'être toujours bien habillés, ni d'avoir toujours les dernières lunettes. Je lui dis, ok. Je lui dis, d'abord, ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent qu'on n'a pas envie aussi de culture, de temps en temps d'un peu de champagne et de bien vivre. Hein. On n'a pas besoin que de manger des pâtes et de regarder TF1. Hein. Des fois, on a besoin aussi d'autre chose. Et puis, est-ce que vous croyez, je lui ai dit, est-ce que vous croyez que c'est facile, quelqu'un qui cherche un emploi, qui n'a pas travaillé depuis longtemps, donc déjà qui n'a pas confiance en lui, parce que voilà, c'est les échecs répétés, on se demande toujours quel est le truc qui ne va pas chez moi. On est toujours trop ou pas assez. Bon, il y a toujours un truc en trop, toujours un truc qui manque. Bon. Quand vous arrivez devant un employeur, que vous avez des fringues achetées en supermarché, que vous avez un trou, parce que vous n'avez pas d'argent pour vous refaire la dent, que vous avez des lunettes scotchées, ou des lunettes où vous voyez mal, alors vous regardez les gens comme ça, les gens vous regardent bizarrement, ça ne vous met pas à l'aise dans la société. Donc ça veut dire que l'inégalité de soins, même pour des choses qui ne sont pas graves, elle engendre d'autres inégalités sociales. Elle met les gens dans une situation toujours de se sentir inférieur. Ça vous met toujours dans cette situation-là. Voilà. Et donc l'accès aux soins est un véritable problème. On a des études dessus et on commence, il y a des organismes, notamment de sécurité sociale, qui sont chargés de voir un petit peu comment on fait pour améliorer ça. En réalité, moi, je pense que c'est une question politique. Que le fait qu'il y ait 20% de personnes qui n'aient plus accès aux soins, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à force de dérembourser des médicaments, à force d'augmenter la cotisation qu'on donne au médecin quand on va le voir et de ne pas faire le tiers payant, on creuse les inégalités d'accès. Ce n'est pas une fatalité, ça peut tout à fait se résoudre. Mais ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans un système de médecine à deux vitesses, où vous avez ceux qui peuvent se soigner et ceux qui ne peuvent pas. Et ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ça et se dire, est-ce qu'on est d'accord avec ce système-là ? Est-ce qu'on l'accepte ? Parce que ma bonne dame, c'est la crise, on ne peut pas faire autrement, le trou de la sécu, etc. Ça aussi, le trou de la sécu, on pourra en reparler, il n'existe pas. Ou est-ce qu'on revient au système qu'on avait pu développer après la Seconde Guerre mondiale, où on était à genoux et il ne restait plus rien chez nous ? Voilà. C'est un choix politique. C'est un choix politique et les 20% de personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux soins en France aujourd'hui reflètent quoi ? Reflètent cette croisée des chemins et ce moment où on choisit ou pas de laisser se développer la médecine à deux vitesses. Est-ce que c'est une fatalité ? Non.
Okay, maybe that will be the last thing, unless you want to say something in conclusion, a few words. So regarding the access to healthcare, so 20% of people who don't have access to healthcare, it's an official figure. So the official figure most of the time is below what you find in reality, right? And there are many reasons to that. Think about it. When you have a low wage, or if you have the minimum wage, it means that you will earn less than 1,200 euros a month. And what do you do with that? 3/4 of that will go to your the bill for your apartment, to your loyer, to your rent, to your rent, sure. And then you want to have access to internet, to the TV, and to the phone. It's for most people, it's part of the basis. So what? So what? Then it means that if you need to pay 25 euros for a doctor, it means that sometimes it's equivalent to your budget of 1 week in the best case scenario. So you have to choose between eating and going to the doctor. And going to the doctor, so you have, what we have in France, so we have this coverage, this social security, and then we have private insurances, okay? Complementaire, we say, for these private insurances. But many people don't have access to this. So you have, the state helps you, the poorest people to have access to this, but the threshold in order to access to this state complementaire is really low. So many people who are just above it cannot afford to have a complementaire that they pay by their own. That's what explains this official figure, and that's what explains that many people don't have any complementaire in this country. So they only have the Sécurité sociale, which is the state thing. And so when they go and see the doctor, they will be reimbursed, but only partly. I think that for the 25 is something like 16 euros. So it means something for them. And when you think about the teeth, for example, if you need a crown, I don't know whether that's the English word, if you need a crown, it's between 300 and 600 euros. So it's a lot. So lots of people choose to have holes in their own teeth. If you need an implant, it's 1,500. So lots of people choose that. Choose. They don't have the choice, right? So they are compelled to make that choice. And glasses, holes in your mouth. People would say that you can live with that. But the problem is that when you don't see people properly, when you don't have all your teeth, it's also weird when you look for a job, right? So it increases the social inequality, contributes to that. So there is a cumulative effect, and people feel inferior in this case. Okay, there are lots of studies that show that people feel inferior. So access to healthcare is a real problem, and according to Muriel, it's a political question. It's a political question because it's a choice to say that this thing that used to be reimbursed is not reimbursed anymore. It's a political choice to increase the money that you have to pay to the doctor. It's a political choice to say, under the previous government, and that was has been the case over a few months, you didn't have to pay anymore at the doctors. Now they decided to go back to the previous system. Okay? So we end up with a two-tier system, okay? One for the rich and one for the poor. So with the people who can have access to healthcare and the others, and our choice is very clear. Either we accept that or we go back to the previous system, the one that has been chosen at the moment where France was really poor, had nothing,
after Second World War, the one of the National Council, National Council of Resistance. One last word. Il y a quelqu'un qui n'ai pas répondu ou c'est bon? Any missing answer? C'était quoi? About Gramsci. Ah, qu'est-ce que c'était pour toi, Gramsci? Could you repeat your question, please? Oh yeah. Est-ce que la gauche progressive doit vouloir sortir de l'Union européenne? Ah, c'est c'est l'éternelle question. Personnellement, je pense qu'il faut voir les choses de manière très simple. Est-ce qu'actuellement l'Union européenne permet aux peuples qui décident d'avoir une politique sociale et humaine de la mener? La réponse est non. On l'a vu en Grèce, la Grèce dont plus personne ne parle d'ailleurs, ils sont en train de crever, de lutter, de résister, ça c'est fini, on n'en parle pas. Voilà. Bon. On le voit un peu aussi au Portugal, ça grince, en Espagne, il y a des pôles aussi de résistance, alors ils n'ont pas le pouvoir, mais est-ce que cette politique-là pourrait être menée sans que l'Europe nous tape sur les doigts? Non. On l'a vu, nous. Et souvent, le gouvernement nous dit « c'est bien joli, vos propositions », comme si on était complètement fous. Mais c'est impossible. Ça ne suit pas les directives européennes. En commission finance, on nous a distribué le programme pluriannuel qu'ils vont faire pour le budget, où ça commence par « il faut respecter les 3% et les directives européennes, il faut baisser les dépenses publiques ». Je crois que la question n'est pas de savoir si l'Europe en tant que telle ou l'existence d'une communauté européenne en tant que telle crée cette impossibilité, parce qu'on sait que ce n'est pas ça en réalité. Qui a pris le pouvoir en Europe? Les ultralibéraux. Les ultralibéraux. Vous avez un mec comme Juncker qui, est quand même, bon, qui a quand même mis un peu d'argent dans les paradis fiscaux, qui n'est pas très clean, qui est reconnu comme une autorité en Europe. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur? Est-ce qu'on peut s'unir avec... C'est pour ça que nous, on avait le plan A et le plan B. On n'est pas anti-européen, mais on veut une Europe des peuples. On ne veut pas une Europe du fric. On ne veut pas une Europe de l'argent. Voilà. Est-ce qu'on peut la changer ou pas? Personnellement, je pense que ça va être très difficile en l'état actuel des choses. Ou alors, il va falloir une union avec les Grecs, avec le Portugal, avec l'Italie, et avec les pays qui veulent changer. Voilà. Et je pense qu'il faut se donner un temps pour essayer, si on prend les commandes. Alors après, il y a le rapport de force. Effectivement, la France, ce n'est pas la Grèce. Ce n'est pas du mépris, ce que je dis. Mais je veux dire, au niveau argent, au niveau économie, si vous arrivez devant l'Allemagne, je dis l'Allemagne parce qu'en ce moment, c'est elle qui a les rênes au niveau européen, et que vous dites, nous, on ne joue plus. Ces règles, vos règles, on n'en veut plus. On n'en veut plus, alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense que, d'abord, l'Allemagne ne nous croira pas. Et quand elle verra qu'on est sérieux et que d'autres pays se joindront à nous, on peut bouger plus de choses qu'on ne croit. Je crois toujours au rapport de force, à la construction de ce rapport de force. Donc je pense qu'il faut essayer ça. Mais si ça ne marche pas, il faut en tirer les conclusions. Mais avant d'en tirer les conclusions, je veux dire, il faut se préparer. Et il faut se préparer réellement. Ce que n'avaient pas eu le temps de faire les Grecs. Les Grecs avaient fait croire qu'ils s'étaient préparés, mais en fait, non, ils ne s'étaient pas préparés parce qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner. Donc je pense qu'il ne faut pas voir l'Union européenne ni comme quelque chose d'affreux qui est la cause de tous nos maux, mais comme un endroit où les ultralibéraux ont pris le pouvoir et nous montrent ce que ça va faire partout si on se laisse faire. Mais on peut la changer, et si on ne peut pas la changer, alors il faut envisager effectivement d'exister sans ça. Mais je pense qu'on n'en est pas... qu'on n'en est pas encore là, et je pense que personne n'a intérêt à ce que l'Europe explose. Et je crois, moi, profondément au rapport de force. Et je pense qu'on a plus la main qu'on ne le croit. OK. So that's the question. The question of the EU is the question. And it's very simple. The key issue is whether in the current stage the EU allows the people to have a social policy and human policy that they want? And the answer basically is no. The answer is basically is no,
And you could see that in Greece, but in some kind of way also in Portugal and in Spain, Europe says no when you want to implement another policy, okay? And also inside of the Finance Commission, when the people who don't belong to the majority of the government say, we want to say things, we want to change things, they say, hey, yeah, well, that's fine, that's nice of you, but we have the European directives and we have the 3% rule. So we have to conform to these directives and to diminish public spending. So the issue is not the existence of Europe as such. The issue is that the most neoliberal people have taken the power inside of this European Union, and that a guy like Juncker is seen like an authority. So one of the key issues is whether we can change Europe from inside. France Insoumise and Mélenchon have two plans. Plan A, which is to change Europe from inside, and if it doesn't work, plan B, which means that France would withdraw from the process, from the euro and from the European Union. And then it is a question of balance of power. Muriel doesn't want to be despised, doesn't want to seem to be despising, but France is not Greece. From the economic point of view, it doesn't have the same power and the same size. So if France says, no, we don't play that game anymore, it will matter. It may matter. And then others might decide to join, and there might be a coalition in order to change that balance of power inside of Europe. The question is the balance of power and how we construct this balance of power in order to change things inside Europe. But if it doesn't work, then we'll have to draw the conclusions of that and to get prepared to that. Oh. Because one of the issues in Greece is that the Greeks said that they were prepared to that, but as a matter of fact, they were not. So the key issue is the construction of the balance of power. And there is this plan A and this plan B. Ideally, they would like to implement plan A, but if it's not possible, then plan B. Okay, maybe we should stop here because yeah, it's already 20 past five. So thank you all for attending. Merci beaucoup. Thank you, Muriel, for coming.